Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour la rentrée du local. J'espère que vous allez bien, vous êtes déjà nombreux dans le chat. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet, je pense, qui est à la hauteur de cette rentrée. Comme vous l'avez pu le voir, on va parler aujourd'hui ubérisation, on va parler livreur à vélo avec un super invité. J'ai avec moi aujourd'hui Ludovic Rioux. Ludo, hein, on va s'appeler comme, je vais t'appeler comme ça. Tu es secrétaire de la Fédération CGT Livreurs, Livreurs à vélo, et tu viens de Lyon. Comment ça va? Ça va bien, j'ai soif comme tu peux le voir. Oui, bien sûr, mais serre-toi à boire, il n'y a aucun souci, on est tranquille, on est à la cool. Alors si on t'a invité aujourd'hui, c'est justement parce qu'on va parler d'un sujet, un gros sujet, hein, le sujet... des livreurs, en tout cas des travailleurs de plateforme aussi de manière générale, mais surtout des livreurs à vélo, puisque tu as participé à la création en 2021 de la CGT des livreurs à vélo. Ça, même avant. Même avant 2021 ? Ouais, même avant, dès 2017, il y avait déjà une implantation de la CGT, mais on y reviendra à plein de trucs qui se sont passés entre-temps. Oui, j'imagine. Tu es aussi livreur à vélo, en tout cas tu l'es toujours, c'est ce qu'on disait, ouais. Tu as travaillé dans plusieurs trucs. Certains essayent de nous sortir, mais... ouais, bon, on reviendra dessus en détail. Tu as travaillé pour les plateformes aujourd'hui, tu as un peu évolué, etc. Ouais, on peut dire ça. Voilà, donc j'espère que pour tous les gens qui vont peut-être... c'est un métier auquel on a recours peut-être beaucoup, hein, surtout dans les grandes villes. Les livreurs sont devenus hyper présents partout, Deliveroo, Just Eat et que sais-je. Et la question que j'aime bien poser souvent au début aux invités, c'est un peu... qu'est-ce qui t'a amené à t'investir dans le monde syndical, dans le milieu syndical, et surtout à créer cette branche de la fédération CGT, enfin des livreurs à vélo. C'est lié à la fédération de transport un peu, c'est ça? J'ai bien compris. Alors c'est peut-être plus compliqué, tu vas nous expliquer. Non, mais après t'inquiète, de toute façon c'est vite vu, parce que de créer, moi j'ai rien créé en soi, tu vois. Déjà parce que ça préexistait le moment où j'ai commencé à bosser en livraison. Et puis on n'est jamais, jamais un militant seul qui crée quelque chose. De toute façon, il y a toujours du collectif derrière, quoi. Oui. Évidemment, de toute façon, c'est aussi ce que la CGT met dans ce qu'elle fait. Et en fait, moi, j'ai commencé à bosser pour Deliveroo en octobre 2018. Okay. C'est au moment où je me suis syndiqué. Les deux coïncident tout à fait. C'était évident pour toi, au moment où tu t'es mis à travailler, de te syndiquer? À ce moment-là, je bossais déjà un peu avant. Enfin, j'avais fait les saisons, un peu d'intérim, mais des trucs pas forcément très intéressants. Et en fait, comme beaucoup de gens, hein, je pense, y compris de notre génération, je posais plein de questions, j'avais un avis sur plein de choses. Mais en fait, au bout d'un moment, je trouvais que débattre tout seul ou avec soi-même, c'est pas très intéressant, quoi. On tourne vite en haut, quoi. C'est ça, puis même, c'est contre-productif, quoi. Tu vois, je me disais, à quoi bon... Quoi bon avoir un avis sur plein de choses si tu crées pas du collectif pour en débattre et puis pour peser, quoi. Et donc l'adhésion à la CGT, elle a été assez naturelle pour le coup. Je n'ai pas forcément posé la question d'aller ailleurs, parce que très rapidement les problématiques du taf, elles sont apparues, tu vois. Elles étaient connues, même c'est un peu après le moment où il y a une première médiatisation en 2017, je dirais, des problématiques dans la livraison. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, et ensuite plein de choses se sont passées et du collectif a été créé, et c'est quand même mieux, quoi. Et du coup, ton rôle, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Déjà, je suis censé livrer des trucs. Oui. Donc, j'ai livré du repas pendant longtemps, et puis aussi du colis. Aujourd'hui, je livre du colis. Oui, parce que les livreurs, c'est pas seulement les plateformes. Non, mais après, c'est la face émergée de l'iceberg, quoi, on va dire. C'est celle qui est celle à laquelle les gens recourent le plus. Et donc, du coup, je suis secrétaire de mon syndicat. Du coup, la CGT, c'est une confédération de syndicats. Donc, le syndicat de la livraison de Lyon. Voilà, je suis adhérent à la CGT là-bas et je suis secrétaire du syndicat. Et pour la Fédération CGT des transports, qui est du coup la fédération nationale de tous les syndicats du transport, ça va de l'aérien au métro. Oui, c'est super large. Ah oui, c'est vraiment plein. Alors, pas absolument tous les métiers du transport, parce que certains sont en dehors, mais en tout cas, la vaste majorité y appartiennent. Du coup, les cheminots appartiennent aussi, ou c'est à part, du coup? Les cheminots, c'est à part. Une partie de ce qu'on appelle l'équipement, qui dépend du ministère de l'équipement, c'est à part. Il y a des particularités, le déchet, quand c'est des fonctionnaires territoriaux, c'est à part. Voilà, la CGT, c'est une machine qu'il faut avoir envie de comprendre, on va dire. Mais du coup, dans la fédération au niveau national, je suis membre de... Alors, je ne suis pas secrétaire de la fédération, j'aspire pas à l'être, mais je suis l'un des membres de la commission exécutive, qui est la direction de la fédération, en charge du secteur de la livraison. Et puis après, j'ai d'autres responsabilités, parce que la CGT, c'est une grosse... une grosse machine, je le dis juste parce que sinon je pense qu'il va me tuer, il me l'a demandé. Je suis aussi le secrétaire à la vie syndicale de mon union départementale qui est l'UD du Rhône. Donc voilà, comme ça, Joao, mon secrétaire d'UD va être content. Donc tu as plein de casquettes en fait au sein de la CGT. Comme tous les militants CGT. Parce que quand on est militant CGT, on l'est dans son entreprise, mais la CGT, elle vise à transformer la société. Et on ne peut pas, enfin, un militant CGT, il ne sera jamais seulement, même si ça part toujours de là, sur les conditions de travail à l'instant T. C'est la richesse de notre organisation. Et comment ça s'est fait que tu t'es... Parce que tu disais que c'était un peu naturel, mais du coup, comment ça s'est fait un peu, si tu veux revenir là-dessus? Tu avais déjà des contacts, tu connaissais déjà un peu le milieu? Ouais, non. Si on revient à l'origine, on va dire au plus tôt, ma mère, elle avait été adhérente à la CGT, mais pas du tout militante, en fait, comme beaucoup de gens. Elle avait adhéré quand elle avait eu un problème avec son employeur. Elle avait payé, je pense, 1 an de cotisation pour être aidée. Et ensuite, alors elle est nouveau syndiqué aujourd'hui, elle est retraitée. Mais parce voilà, que même quand on ne travaille plus, on peut quand même être adhérent à CGT. Hein, ça, c'est important. Tout à fait. Qu'on soit privé d'emploi ou retraité, on a sa place à la CGT, ou travailleur non salarié. Mais jamais ça me serait venu à l'idée de se syndiquer. J'étais gamin à l'époque. Et en fait, c'est venu plus tard. J'ai fait un passage par la fac où, comme beaucoup, j'ai été un peu politisé là-bas. J'avais des copains qui l'étaient aussi. Et du coup, c'est de cette manière-là que s'est fait l'entrée dans l'organisation syndicale, quoi. Encore une fois, d'une manière très naturelle, mais aussi parce que la CGT, contrairement à d'autres organisations, elle crée les conditions de s'ouvrir vers des endroits où il n'y a pas la CGT. Oui. Elle accompagne beaucoup. Elle accompagne, elle est présente sur le territoire. C'est, moi, mes premières responsabilités, en plus de la branche, ça a été dans ce qu'on appelle une union locale. C'est l'union des syndicats sur un territoire donné. Et c'est parce que l'union locale existait que la porte a été ouverte pour nous... très naturellement, enfin, on donne les clés, quoi. C'est chaque militant à sa place. Oui, parce que quand on pense à la CGT, on pense tout de suite à des perspectives à des échelles nationales, mais là où elle est souvent une porte d'entrée la plus active, c'est vraiment à l'échelle locale. Bah, c'est dans l'entreprise, c'est là que tout se passe en théorie, mais le monde du travail aujourd'hui, enfin, c'est pas comparable avec le monde du travail qu'on peut fantasmer d'il y a 40 ans, 50 ans. Donc, on fait avec ce qu'on a, et très souvent dans son entreprise, la première raison pour laquelle on ne syndique pas à la CGT, c'est qu'elle n'existe pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est un enjeu de... Mais ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas qu'on ne peut pas justement l'amener, la créer, etc. Et ça, c'est ce qui avait été dit d'ailleurs dans les émissions précédentes. Hein. Ça ne doit pas être un frein. C'est une manière de dire qu'il faut que j'arrête de dire ce que je dis, c'est ça? Parce que ça a déjà été dit. Non, pas du tout. Mais c'est parce que c'est important, je pense, voilà, de répéter le fait que souvent, voilà, disent bah, « je ne suis pas syndiqué parce qu'il n'y a pas la CGT là où je travaille ». Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas qu'on ne peut pas l'amener. Voilà. Et puis même, tu vois, pour revenir là-dessus, moi, jamais je me serais syndiqué à la CGT si on ne m'avait pas proposé. Oui. Enfin, et souvent, c'est ça la première raison pour laquelle les gens, ils n'y pensent même pas, quoi. Si on ne te propose pas, tu te dis « c'est une grosse machine, on aime, on n'aime pas ». Ouais, exactement, quoi. Puis même quand on y va, tu connais pas, machin, c'est pour ça que c'est toujours du collectif, quoi. Il faut toujours le ramener au collectif. Et aujourd'hui, tu es dans un travail aussi de rabattage aussi de personnes, tu essayes de syndicalisation. Syndicalisation, on va employer les bons termes. Parce que bon, le métier, en tout cas, des livreurs, il s'est vachement multiplié, en tout cas depuis ces dernières années. Je crois qu'on compte à peu près plus de 180 000 livreurs aujourd'hui. Enfin, en tout cas, bon, les chiffres sont un peu difficiles à établir. Ça a beaucoup augmenté aussi avec le Covid. Est-ce que tu sens aussi que, du coup, d'un point de vue militant, il y a aussi de plus en plus de personnes qui ont tendance aussi à se tourner vers la CGT par rapport à ça? Oui et non. Oui et non, dans le sens où ce que tu dis sur le secteur, tu vois, c'est vrai. Il y a plus de livreurs aujourd'hui qu'avant. Après, je pourrais donner des chiffres, mais ce n'est pas forcément ça qui est intéressant. Mais c'est aussi qu'il y a une transformation des métiers, dans le sens où, si tu veux, le métier de la course urbaine, le métier des coursiers, enfin à l'ancienne avec la petite casquette, les fixies, tout ça, c'est un vieux métier. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est pas nouveau du tout. Mais par contre, les formes que ça prend aujourd'hui, qui ont évolué et qui ne sont plus les mêmes, elles ont eu tendance à augmenter sous l'effet de plein de phénomènes politiques, socio-économiques. Ce qui fait que tu as plus de gens qui s'occupent de balader les choses d'un point A à un point B dans les centres-villes. Ça, c'est mathématique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui poussent les portes de la CGT? Oui et non, parce qu'en fait, ça dépend toujours de plein de choses. Ça dépend à la fois de, je sais pas, on peut dire le facteur objectif, voilà, la réalité du travail, le fait qu'il y ait plus de travailleurs, les conditions qu'ils ont, mais aussi subjectivement de comment ils le perçoivent. Et moi, je reste persuadé que dans le monde du travail aujourd'hui, si on ne va pas voir les gens volontairement pour leur dire de venir parce que ça leur sert à quelque chose, pas pour nous faire plaisir, ils ne viendront pas. Enfin, ils peuvent venir, ils peuvent taper à la porte. Je pense parce que justement, les gens ne se rendent pas compte, n'ont pas le réflexe. Enfin, tu penses à quoi ça pourrait être dû? Je dirais pas on pas le réflexe, mais le monde du travail et la livraison, c'est un bel exemple. Aujourd'hui, il pousse à individualiser. La situation de chacun, elle est personnelle, elle lui est propre. Et puis, c'est chacun pour... J'avais le débat avec des livreurs hier, par exemple. C'est chacun pour sa gueule. Mieux vaut se sauver soi-même que de gagner un peu moins, mais pour tout le monde. Et donc, ça veut dire que face à cette propagande, parce que c'est une propagande diviser pour mieux régner, quoi. Bah, c'est ce que le capital vise à faire. Bah, face à ça, il faut qu'on ait une réponse. Et c'est pas un discours, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas parce que la CGT on y est attaché, c'est parce que c'est utile au quotidien. Et ça, il faut l'expliquer aux gens, parce que sinon, bah, quel intérêt, quoi. Et justement, par rapport à ça, il y a eu, bon, cette année, mais ça fait déjà un moment que ça occupe un peu le débat, notamment vis-à-vis des travailleurs, c'est la question du salariat, des livreurs, pardon, la question du salariat. Vous avez beaucoup, enfin je dis vous, c'est-à-dire que voilà, il y a eu beaucoup de revendications cette année, notamment pour dénoncer justement ce qu'on appelle la présomption de salariat de plusieurs entreprises, notamment Deliveroo qui a été condamné. Comment c'est venu en fait ce truc de se dire, bah en fait, parce que c'est assez nouveau. Moi je sais que j'avais jamais forcément entendu parler de présomption de salariat. Pour un peu contredire un peu ce que pouvait dire Deliveroo du fait que justement l'individualisation, cette flexibilité-là, c'était ce que voulaient les livreurs, etc. Comment vous avez abordé ce point-là pour justement contredire et obtenir aussi une certaine forme de victoire, parce que Deliveroo a été condamné justement pour ça. Bah, si tu veux, alors sur le terme présomption de salariat, je pense qu'on va parler des trucs de directive européenne après, donc j'y reviendrai à ce moment-là, parce que c'est un sens un peu technique, mais... Sur la situation, alors je pense que tous les gens de façon qui nous regardent connaissent le statut des livreurs, mais pour ceux qui ne remettent pas, les grosses boîtes de livraison de repas en particulier, mais pas que, donc Uber Eats, Deliveroo, Stuart, c'est les trois grosses, elles imposent, il n'y a pas le choix, un statut d'auto-entrepreneur aux livreurs qui sont du coup payés à la course. Tu as l'application, tu reçois la course, 2,63 € minimum chez Deliveroo, 2,85 € chez Uber. Ça a baissé d'ailleurs beaucoup. Hein. Ouais, faut se dire, c'est vraiment pas. Alors, elles ne sont pas toutes à 2 € les courses, mais c'est quand même un truc de dingue. On se rend pas compte que en fait, dans cette rémunération-là, après, il y a énormément de frais qui viennent, qui sont pas comptés en fait là-dedans, notamment vis-à-vis du fait qu'ils sont indépendants. Bon, on en reviendra, mais sur notamment les vélos, enfin voilà, les modes de transport, etc. C'est clair, les vélos, enfin l'équipement, le matériel, et puis après un aspect dont on parlera plus tard, mais les cotisations sociales et tout ça. Donc ça aussi, c'est un peu, ça semble aussi technique, mais ça l'est pas. Mais du coup, sur la question du statut, la difficulté, elle est que nous, la CGT, on n'est pas sur une vision qui est de cliver entre est-ce qu'il faudrait que les livreurs soient indépendants ou soient salariés. Parce qu'en fait, le fait d'être salarié, et ça, il faut le rappeler aussi, hein, c'est pas une revendication de la CGT, le salariat. C'est un droit ? C'est même pas un droit, c'est la reconnaissance de la réalité. C'est-à-dire que s'il y a des travailleurs qui sont... Exploiter, c'est pas un truc moral. Exploiter, ça veut dire tu bosses et la valeur que tu produis, t'en récupères qu'une partie parce que ton patron en garde l'autre. Si t'es exploité par quelqu'un d'autre, tu es salarié et ça donne droit à des droits justement. Et la CGT, quand on lit les premiers statuts de la CGT, sa création, elle revendiquait justement l'abolition du salariat, c'est-à-dire l'abolition de la division entre classes sociales, le patronat d'un côté, le salariat de l'autre. Donc le salariat, c'est pas une revendication, c'est le constat de quelque chose qui existe aujourd'hui. Et du coup, ce qu'on constate aujourd'hui dans la livraison, c'est que les livreurs, même s'ils ont plus ou moins la possibilité de se connecter quand ils veulent, ce qui est relatif, parce que moi, je ne paye pas mon loyer quand je veux. Donc, si je devais me connecter quand je veux, je suis quand même obligé de me connecter pour payer mon loyer. Il y a des contraintes vitales quand même. Un peu, quoi. Franchement, ouais. Et du coup, indépendamment de cette possibilité-là, les conditions de travail, la rémunération, la précarité, on peut être bloqué, c'est-à-dire avoir son compte suspendu du jour au lendemain, tout ça, bah, ça fait que, de fait... Les livreurs, même s'ils pensent être indépendants pour certains, ne le sont pas, de fait. Du coup, nous, la CGT, ce qu'on porte, c'est de dire que si les plateformes abusent de certains éléments qui sont en fait propres au patronat, eh ben, il faut qu'en contrepartie, les mêmes droits soient respectés. Et nous, c'est comme ça qu'on pose, la question, en réalité. Et la difficulté, c'est que les plateformes n'en ont que faire, pas seulement parce que ça leur permet de conserver plus de profits, mais aussi parce que je te coupe, mais juste par rapport à ça, non, mais il n'y a pas de souci, mais par rapport à ça, justement, pourquoi les plateformes, elles sont aussi réticentes au fait de salarier leurs livreurs, qu'est-ce qu'elles ont autant à gagner avec cette question de l'indépendance Alors certains diraient parce que ça coûte de l'argent de salarier. Moi, je ne le dirais pas comme ça, parce que ça ne coûte pas de l'argent. Parce qu'en fait, quand on paye des salariés, on rémunère toujours une force de travail qui rapporte de l'argent. Par contre, ça demande en valeur absolue, même si les gens sont payés au SMIC, où le SMIC, c'est quand même pas grand-chose, eh ben, en valeur absolue, la force de travail, elle est mieux payée. Parce qu'il y a des droits en termes de congés payés, en termes de sécurité de l'emploi, en termes de cotisations sociales, de droits syndicaux, et j'en passe. Elles ont moins la facilité d'exploiter, quoi. Bah, exactement. Et du coup, la problématique de fond, c'est pas seulement celle de dire, voilà, Deliveroo, Uber, c'est dégueulasse ce qu'ils font, je vais plus commander chez eux, machin et tout, pourquoi pas. Hein. Mais c'est de dire, aujourd'hui, le monde du travail, eh ben, on a un patronat qui a inventé la térim, qui a inventé la sous-traitance, qui a inventé, parce que ça s'est basé là-dessus, le travail dissimulé, et qui réinvente en réalité une forme de salariat déguisé, payé à la tâche, mais qui renoue en fait avec ses racines. Parce que le capitalisme s'est créé là-dessus en réalité. Même dans le transport, on prend l'exemple des... et on y parlera aussi pour la CGT. Un des premiers syndicats qui s'est créé historiquement dans la CGT et qui existe toujours sous ce nom-là, c'est le syndicat CGT des... je crois que c'est chauffeurs, garçons, cochers, etc. C'est les taxis en fait, mais avant qu'on dise taxi. Ils n'étaient pas salariés au 19e siècle. Non. Donc en fait, le capitalisme, il renoue avec ses bases. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire par des procédures juridiques ou par des luttes, et les deux, ils vont ensemble de toute manière, ben, c'est de remettre au centre de l'agenda les intérêts des travailleurs et comment les droits peuvent permettre de défendre ces intérêts-là, quoi. Donc voilà, pour répondre un peu. Non, mais c'est très clair. Et du coup, Deliveroo, donc, si je me souviens bien, avait été condamné, mais ça ne les empêche pas pour autant de ne pas avoir salarié. Enfin, ils arrivent quand même toujours à continuer à faire comme ils peuvent, même s'ils ont été condamnés, en fait, d'une... J'imagine que même les amendes qui leur sont infligées sont pas, voilà, vont pas les, comment dire, les empêcher de pouvoir avoir recours à ça. J'imagine, enfin, c'est plus compliqué. Bah déjà, tu vois, là où c'est complexe, c'est qu'ils ont été condamnés ce qu'on appelle en première instance, mais ils ont fait appel. De toute façon, vu qu'ils ont tout à perdre, ils ont fait appel. Après, le droit en France, il est merveilleux parce que quand tu voles quelque chose, tu peux finir en prison. Quand t'es simple personnalité individuelle, quoi, et encore. Quand tu es un chef d'entreprise, moins. Et du coup, plus tu as de pouvoir et moins tu as de risques. Voilà. Et surtout dans les boîtes. Hein. Et du coup, quand un dirigeant d'entreprise, en l'occurrence les patrons de Deliveroo, ont été condamnés, en plus de l'appel qui met un peu tout en suspens, même s'ils sont condamnés aussi à titre individuel, ça n'est pas rétroactif. Oui, c'est ça. Tant mieux en même temps, parce que si le droit était rétroactif et consistait à voir le futur, ce serait un peu, pour les gens comme nous, ce serait un peu comme dans Minority Report. Ça pourrait avoir des bons penchants, mais des mauvais aussi. Pour les boîtes, ce serait très très bien, parce que du coup, ça permettrait de faire reconnaître des droits que les gens n'ont pas. Parce que faut se dire que ceux qui ont bossé pour Deliveroo, dans la période où ils ont été condamnés au pénal, en fait, le fait que Deliveroo soit condamné, ok, ça pèse dans le rapport de force. Ça permet de souligner que l'État est contradictoire, parce que le bras juridique, il condamne, alors que le législatif et l'exécutif, c'est-à-dire voilà, Macron, et, le gouvernement et le Parlement, ils favorisent. Mais même si y a cette contradiction-là, bah, en fait, toi qui as bossé pendant 3 ans, tu ne vas rien te faire reconnaître comme droit en plus, à part si tu as eu la chance de te porter ce qu'on dit partie civile dans la procédure, c'est-à-dire de dire « moi, je suis une victime ». Déjà, ce n'est pas très agréable à dire, mais si tu l'as fait, tu peux toucher un petit pécule. Mais voilà, ça pèse dans le rapport de force, ça n'a pas de conséquences... Puis ça demande beaucoup d'énergie aussi, que beaucoup aussi n'ont pas forcément le temps d'investir. Enfin, c'est aussi tout ça qui est lié, quand ton travail te prend trop de temps, t'as peut-être envie de faire autre chose de ton temps libre que de passer tes journées peut-être au tribunal. Enfin voilà, après ça dépend. C'est des procédures lourdes. Hein. C'est des procédures qui sont super lourdes et puis des fois on n'a pas les moyens. Enfin je veux dire, face à des entreprises comme qui ont les moyens de se payer tous les avocats du monde, bon bah en fait, est-ce que c'est pas un peu vain aussi? C'est pour ça que le rôle de la CGT est... Ça fait aussi écho à un autre stream que j'ai pas regardé pour le coup, mais l'inspection du travail, elle a eu un rôle assez déterminant parce que c'est elle qui a fait la première enquête. C'est pas Agathe Le Berder qui l'a fait en l'occurrence, mais c'est la CGT. Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est l'inspection qui a sorti les premiers éléments qui, parce qu'ils ont été poussés politiquement et que la CGT s'est portée aussi partie intervenante, ont permis de déboucher sur quelque chose. Oui. Mais toutes les procédures du monde, toutes les enquêtes, les rapports, ce que tu veux, si on n'avait pas eu depuis 2017 des mobilisations par les travailleurs pour leurs intérêts, ça serait pas passé grand-chose. Voilà, quoi. Ouais. Justement, par rapport à la question, j'enchaîne, du salariat, il y a une actualité, je pense que personne n'est passé à côté, c'est cette fameuse loi immigration. Qui donc, on le sait très bien, en dehors de toutes les ignominies qu'elle présente, va impacter aussi notamment ton secteur, enfin en tout cas celui pour lequel tu travailles et tu es là aujourd'hui, parce que on sait qu'il y a quand même une part assez importante de travailleurs, en tout cas de livreurs qui sont en situation régulière, qui n'ont pas de papier, et cette loi, elle vise elle a instauré cette idée de régulariser en tout cas de permettre aux personnes sans papier de pouvoir faire des demandes d'asile uniquement sur la base de fiches de paye notamment, etc. Et justement, cette question, elle est intéressante parce que les travailleurs, les livreurs qui sont papier sont exclus en partie de cette mesure. Et notamment par rapport au fait que voilà, quand on est indépendant, on n'a pas de fiche de paye, c'est un nouvel arsenal répressif. Enfin, j'imagine qu'on est d'accord là-dessus. Et vous avez mené une grève début décembre, qui était, alors c'était avant le passage de la loi, mais qui allait dans ce sens-là justement de défendre que ce soit les nouveaux modèles de tarification, mais aussi les statuts des livreurs. Et moi, ça m'a posé une question en dehors du coup de cette lutte qui vous impacte directement, c'est comment vous avez réussi. Je ne sais pas comment s'est passée la grève, si elle a été aussi, voilà, si elle a été suivie, etc. Mais comment on peut monter une lutte, une mobilisation quand il y a la majeure partie des travailleurs qui sont des indépendants? Comment on va les chercher? Comment on les informe aussi? Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi ces travailleurs sans papier qui ne connaissent même pas peut-être les droits qui sont liés à tout ça en termes de revendications. Comment ça s'est passé? Enfin, c'était sur Paris, mais j'imagine que tu y as contribué aussi. C'était partout, l'appel à la grève, il était national. Est-ce que tu veux, tu me dis, parce qu'en soi, il y a deux questions en une. Oui, il y a deux questions. D'abord, l'aspect des luttes en général, ou même la question des travailleurs sans papier, qui demande aussi... La question des travailleurs sans papier, je pense qu'elle est importante aujourd'hui dans ce contexte-là. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça a déjà un impact? Est-ce que ça va l'aggraver? Ou est-ce que, cela dit, en fait, ça va juste bloquer des avancées? Comment vous l'avez vu? Je vais parler un peu de même l'existant ou ce qui s'est déjà passé dans la livraison. Parce qu'après, la CGT, elle a tout un historique avec la question des travailleurs sans papier. Mais avant, on ne disait pas sans papier, même des travailleurs immigrés. Oui, immigrés. Mais, et même dans la dernière quinzaine d'années, il y a eu de nombreux conflits sur la régularisation des travailleurs sans papier. Mais dans la livraison en particulier, la problématique... Et là, on n'en est même pas à la loi immigration... et j'y reviendrai. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, là au moins ça laisse aucun doute à... Ouais. Non mais on est content. Salut maman, j'espère que ça va. Et du coup, avant même d'arriver à la loi immigration, qui n'est pas encore passée de toute façon, parce que voilà, la CGT appelle... aux côtés de nombreuses organisations et manifestations. Oui, d'ailleurs, pas que vous, la CGT de manière générale. Oui, tout à fait. Et puis même, il y a d'autres initiatives. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore dans ce paradigme-là. Mais avant même la question de la loi immigration, en fait, la particularité sur le sujet de la régularisation des travailleurs sans papier, qui demande aussi peut-être une explication, parce qu'en fait, nous, ça nous paraît évident, mais il y a beaucoup de gens qui, quand on leur explique ça, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on n'a pas de titre de séjour, on peut quand même travailler en France, quoi. Oui. Pas légalement, mais il y a dans plein de secteurs... Mais d'ailleurs, c'est ça, parce que justement, dans ces propositions de la loi, qui sont du coup, de devoir avoir été salarié pendant plusieurs mois pour pouvoir demander justement à potentiellement être régularisé, ça insinue que tu dois travailler, c'est ultra contradictoire, être en situation toi-même illégale, mais même tes employeurs en situation illégale, puisqu'on ne peut pas... dans la loi, salarier quelqu'un qui n'a pas ses papiers. Et ce qui est dingue, en fait, c'est que le fonctionnement depuis 2012, alors c'était pas la loi, parce qu'à partir de 2012, c'est une circulaire qu'on appelle circulaire Valls, mais il entérine que pour avoir droit à la régularisation, donc à des papiers, parce qu'on travaille, il faut avoir déjà travaillé. Donc en fait, c'est dingue, on dit en même temps à des gens que vous n'avez pas le droit de travailler, mais si vous voulez avoir des papiers, il faut travailler. C'est un truc de dingue, quoi. Et du coup, la problématique qu'il y a, c'est que le fonctionnement de cette circulaire qui n'est pas loi, donc en fait, une circulaire, pour répondre à la question en direct, c'est un courrier qui est envoyé en l'occurrence aux préfectures par Poxte Valls, donc le ministère de l'Intérieur, qui leur dit, quand vous avez des cas de figure où des travailleurs, ou pas forcément, étrangers, veulent accéder à un titre de séjour alors qu'ils n'y ont pas droit en vertu d'autres éléments, du coup, tel cas de figure doit correspondre à peu près à telle règle et vous pouvez prendre la décision ou non de régulariser en prenant en compte que le fait d'être régularisé, donc d'obtenir des papiers, c'est dérogatoire. C'est-à-dire que le préfet, si on avait un préfet ultra progressiste, c'est compliqué aujourd'hui, c'est l'État qui les nomme. On part de loin. Mais un préfet ultra progressiste, si on a eu par exemple au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais la problématique n'était pas la même, tout à fait, pourrait décider de dire... travailleurs sans papier de tel secteur, machin et tout, vous avez droit à la régularisation. Et donc voilà, la problématique, c'est que c'est un pouvoir qui est dérogatoire et il n'y a pas de règle autour de ça. Donc nous, la CGT, on n'est pas du tout satisfait de l'existant, mais l'existant, en gros, il dit ça, que si on travaille, je ne vais pas redire les éléments précis, mais tant d'années dans une telle entreprise et qu'on a tant de fiches de paie, on peut... avoir droit à la régularisation. Et ça peut être des fiches de paie à son propre nom, quand on fait des faux papiers, en général c'est ça. Ça peut être des fiches de paie au nom de quelqu'un d'autre, quand on prend la carte d'identité de son cousin, un ami, une personne de notre connaissance, et qu'on travaille en se faisant passer pour lui. Et il y a même une autre, un autre cas de figure dans le cadre des livreurs, etc. C'est de louer des faux comptes. Alors je sais pas trop comment ça se passe, je sais pas si c'est des organismes en tout cas, ou si c'est des particuliers qui font ça, mais ça c'est une caractéristique supplémentaire liée à la plateformisation justement des activités. Mais alors je vais expliquer comment ça se passe, mais de toute façon je vais beaucoup dire oui et non à bien sûr. Non mais tout est nuancé, bien sûr. Exactement. Mais du coup, comment ça se passe concrètement? Je ne vais pas en faire la promotion, mais si quelqu'un, n'importe qui, ouvre une auto-entreprise et ouvre un compte chez Uber et Deliveroo, légalement chez Deliveroo et illégalement chez Uber, mais de toute façon tout le monde s'en moque, il peut louer le compte à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il va dire à un travailleur, plutôt un travailleur sans papier qui n'a pas la possibilité de créer le compte lui-même, même si certains ont pu parce qu'ils avaient d'abord un titre de séjour qui est tombé ensuite, mais ceux qui n'ont pas de titre de séjour, qui arrivent en France comme ça. Donc tu peux garder ton compte même si ton titre de séjour t'a été retiré. Ça a été possible à une période, c'est arrivé, mais c'est très très minime quoi. Ouais. Mais du coup, oui tout à fait. oui. Commentaire pertinent. Et qu'est-ce que je disais? Et oui, et du coup, tu peux, même si nous on, évidemment on le revendique pas, bien sûr, louer ton compte à quelqu'un, c'est-à-dire que tu lui demandes, aujourd'hui c'est 150 € la semaine, donc je sais pas si tu réalises, ça fait un truc de ouf quoi. Bah sur des, par mois. Je crois que je lisais pour 60 heures de travail, on était sur du 700-800 € par mois, dans le meilleur des cas. Si on enlève 150 € par semaine, il reste pas grand-chose. Hein. Et du coup, ça s'appelle la sous-location de compte, donc ça pose problème parce qu'il y a une situation de double exploitation, c'est-à-dire que le livreur ou la livreuse, il est à la fois exploité par la plateforme et par ceux qui nous comptent. Double exploitation. Double exploitation, tout à fait. C'est facilité par le modèle numérique à distance où voilà, on peut mettre ça en œuvre à une très grande échelle. Puis peut-être la plus grande facilité aussi à faire des faux papiers ou en tout cas à passer entre les mailles du filet, j'imagine. Oui, c'est le cas. Mais en même temps, c'est pour ça que je dis oui et non. Ce dont on parle là, en fait, c'est ce qu'on appelle du travail sous alias. Et en fait, ça existe dans plein de secteurs. Oui. Et ça existe dans la construction, dans le nettoyage, dans le déchet. Et il y a des secteurs entiers de l'économie qui fonctionnent là-dessus parce que les gens ils sont dans des situations de précarité qui les met en difficulté et qui créent des divisions artificielles en fonction de l'origine quoi. Mais même dans ce tableau qui est assez sombre, on va dire, en fait, on voit qu'il y a quand même des luttes, que ce soit sur les questions propres au titre de séjour. Enfin, je prends l'exemple, j'en prendrai dans la livraison parce que je pense qu'ils sont intéressants, mais le plus récent, c'était beaucoup dans l'intérim, mais dans plein de secteurs différents en région parisienne en octobre dernier où il y a eu un conflit massif, comme il y en a déjà eu dans les précédentes années. Bah, c'est des travailleurs sans papier qui s'organisent pour leurs revendications et qui se mettent eux-mêmes en lutte. Donc si les gens qui sont les plus exploités arrivent à se battre, qui est-ce qui peut avoir une bonne excuse pour ne pas se battre? C'est ça. C'est un peu comme ça que ça pose la question. C'est une belle manière de voir les choses. Et justement, on a un peu divagué, mais justement vis-à-vis de cette mobilisation... est-ce que vous avez justement pu... ça a peut-être été un moyen aussi pour les gens de se rencontrer, de se connaître, peut-être de créer une nouvelle force, peut-être après pour la suite, pour avoir des mobilisations peut-être encore plus efficaces. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous en avez retenu quelque chose quand même de positif? Alors, je rajoute juste un truc pour faire la transition. Oui, bien sûr, vas-y. C'est juste que du coup, ce dont on a parlé sur la régularisation, comme tu l'as dit au début, tu vois, mais comme les livreurs, ils sont auto-entrepreneurs, ça ne s'applique pas, la fiche de paie. Oui, bien sûr. Donc, il y a des luttes qui ont été menées et qui ont été gagnées, entre autres par la CGT. Mais là, on va au-dessus de tout parce que ça n'a aucun socle légal. Oui. Et du coup, la loi immigration ne prévoit rien non plus et est défavorable pour plein d'aspects. Et j'imagine que justement, le passage de cette loi a peut-être encore plus... alors, peut-être là, c'est un peu récent. Et la loi n'est même pas encore... Enfin, elle n'est pas passée, en tout cas. Elle ne va pas passer. On l'espère, en tout cas, justement, peut-être que vous avez prévu des choses pour ça. Est-ce que tu as senti peut-être un regain, toi, au niveau syndical, peut-être des gens qui, quand il y a des choses aussi graves que celles-ci qui sont autant médiatisées, est-ce que tu t'es rendu compte peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes aussi à vous rejoindre, un nouveau souffle dans la lutte, peut-être? Du coup, là, c'est bien parce que ça fait le lien avec la question de la lutte en général, qui est que, tu vois, justement, dans la livraison, on a toujours eu, quand il y a eu des conflits, et paradoxalement, il y en a eu beaucoup, alors qu'on a un secteur très précaire, mais justement, parce qu'il est très précaire, tu as un turnover de dingue, donc toujours des gens... du coup, il y a beaucoup de personnes, c'est ça. Beaucoup de gens. Et on a à la fois eu des luttes sur la question spécifique des papiers, où là, voilà, c'était très, très spécifique, mais en même temps sur des sujets... plus collectif, quoi, et qui concerne l'ensemble des travailleurs. Parce qu'en fait, ce que la CGT, elle essaye de souligner, c'est que des problématiques de conditions de travail ou de rémunération, en fait, elle concerne à la fois les gens qui ont des papiers et ceux qui n'en ont pas. Mm-mm. Et en même temps, l'inverse, il est aussi vrai, qui est que la problématique des papiers, elle concerne aussi ceux qui ont des papiers et qui n'ont pas ce souci-là. Pourquoi ? Parce que ça abat, si tout le monde est régularisé, ça abat une division artificielle entre les travailleurs sans papier et ceux qui en ont. Oui, voilà, peut-être aussi il y a cette division que même des gens régularisés n'ont pas envie de, voilà, d'être considérés comme privilégiés par rapport aux autres, d'être traités pareil, en fait. Donc au final... Et t'as l'inverse aussi, hein, t'as des mecs qui vont avoir un discours, et ça, il faut qu'on se dise la vérité aussi là-dessus, un discours raciste. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais... et ça, on l'a beaucoup vu dans les derniers temps, parce qu'en fait, on a une vision des travailleurs sans papier comme si c'était... Moi, je l'ai entendu déjà, à cause des livreurs sans papier qui seraient prêts à accepter n'importe quelle course, peu importe le prix, que la rémunération est baisse. Mais surtout, c'est... il n'y a rien qui prouve ça, au final. Non, mais c'est les plateformes qui baissent c'est le patronat qui baisse la rémunération. D'ailleurs, par rapport à cette baisse de la rémunération, j'avais lu que depuis le Covid, on avait une baisse vraiment drastique du revenu des courses, etc. Comment ça s'est expliqué ? Mais déjà depuis 2017 au minimum. Et ça s'explique facilement. Tu vois, le modèle des plateformes, leur modèle économique, c'est de dire... Nouvelle concurrence peut-être aussi, enfin... Oui et non, parce que tu vois, la concurrence aujourd'hui, enfin, je vais arrêter, il faut que je trouve une autre tournure, ça va se voir quoi, sinon. Alors oui, mais non. Ouais, non, mais je vais trouver d'autres tournures de phrases quoi. Mais du coup, c'est vrai, mais en même temps, cette concurrence, elle est, je vais pas dire artificielle, mais tu vois, aujourd'hui, les gens ils veulent commander, ils vont chez Uber dans la majorité des cas, ou sinon parfois Deliveroo. Ouais. Et Just Eat, on en reparlera, mais c'est encore après quoi. Ouais. Donc, tu vois, la concurrence. Elle sert le patronat quand elle permet de baisser les rémunérations et les prix, mais c'est une fausse excuse parce qu'en même temps, ils se mettent d'accord sur certains sujets, dont le principal sujet qui n'est pas de mieux considérer les travailleurs. Et donc, de baisser les revenus, des courses, etc. Et ça, justement, ça leur est permis parce que comme, j'imagine, alors là, il y a eu une nouvelle directive qui ont fixé un tarif, en tout cas un minimum. En fait, c'est elle qui fixe le prix des courses. Ce minimum, en plus, c'est pas un vrai minimum. Oui, on en reviendra, j'imagine. Mais du coup, c'est que tu vois, t'as un marché de l'emploi. Ça, c'est un marché de l'emploi en soi. Marché de la livraison pour les gens qui vont bosser. Mais c'est comme n'importe quel secteur professionnel. Hein. Plus t'as de gens qui sont prêts à travailler parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions, plus le patronat peut faire pression sur les conditions de travail et de salaire. Et ça, c'est ce que Marx appelait l'armée de réserve. Hein. C'est rien de nouveau ce que je dis là. C'est le cas normalement dans un secteur d'activité entre les gens qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas. Mais ce qui est fort dans la livraison, c'est qu'en réalité, ça on le vit au quotidien. Parce que comme tu te connectes sur une application et que tu es payé à la tâche, en fait, ça tu le vis, mais ne serait-ce que quand tu bosses et que tu attends d'avoir une commande et que tu sais que si la commande, elle ne te convient pas parce qu'elle n'est pas assez bien payée, tu auras toujours quelqu'un qui sera prêt à la prendre. Et c'est normal, ce n'est pas sa faute. Et donc du coup, ça permet quoi ? Ça permet au patronat de faire pression sur les rémunérations. Et quand les gens ils gueulent trop ou quand les anciens qui ont commencé il y a 4 ans, ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire avoir, ou bien les gens se barrent en se disant je vais trouver mieux ailleurs, alors que c'est pas vrai parce que c'est la galère partout. C'est pareil vrai, avec Uber, avec les courses Uber qui ont diminué et en fait ils utilisent cette fausse excuse de dire mais en fait si on a des gens qui sont prêts à les accepter, c'est que ça convient aux gens. Exactement. Sans prendre en compte le fait que c'est des activités où justement les gens sont précaires aussi parce que c'est plus facile, j'imagine, pour quelqu'un qui n'a pas de travail qu'en institution régulière, de rentrer dans ce milieu-là que de rentrer dans un milieu plus encadré. Mais ça a évolué, tu vois. On avait l'image, alors quand tu regardes les pubs de Uber, c'est toujours le cas, mais l'image du livreur coursier à vélo, celle dont j'ai parlé, au début, c'était ça, quoi. Avec le vélo en plus de la société, ce qui n'existe quasiment jamais. Oui, ça apparaît, quoi. Et ça aurait même pas de... Parce que eux se battent pour dire que les livreurs sont indépendants, soi-disant, les plateformes, j'entends. Mais du coup, cette image-là, et moi, c'est à ce moment-là à peu près que j'ai commencé. C'était surtout des livreurs déjà blancs, tu vois, à vélo, dans les centres-villes, des mecs qui aimaient le vélo. C'était un peu cette image que ça renvoyait, quoi, qui a évolué en fait avec le temps. Et aujourd'hui, c'est plus la réalité du travail. C'est un métier qui est beaucoup plus subi que choisi, j'imagine. Complètement. Et puis surtout, comme les conditions elles sont dégradées, c'est un cercle vicieux. Mais en fait, c'est pas différent de ce qu'on connaît dans le monde du travail classique, où un travail qui était auparavant assuré par un ouvrier à statut de, de EDF, qui du coup avait un niveau de garantie qui était à un même niveau, aujourd'hui c'est un sous-traitant qui n'a pas le choix. Donc voilà, c'est la même problématique. Du coup, en fait, ce qu'on retient, c'est que finalement, dans cette lutte, on a l'impression un peu que les livreurs, en tout cas les travailleurs de plateforme, sont un peu à part. En fait, il y a... plein de secteurs en fait qui sont concernés et qu'au final la lutte que vous menez en fait c'est une lutte qui pourrait être encore plus généralisée de la précarisation de l'emploi et le recours notamment aux indépendants, sous-traitances, etc. Et qu'il est déjà de fait parce que tu vois la CGT s'est structurée dans l'intérim il y a maintenant un sacré paquet d'années. Dans la sous-traitance, de toute façon les métiers du transport quand ils réfléchissent quand c'est de la marchandise, c'est presque toujours de la sous-traitance, parce que c'est la définition du truc. Et du coup, c'est là qu'on voit aussi, quand on dit, tu vois, la CGT, elle marche sur deux jambes, les conditions de travail dans l'immédiateté, puis le changement de société, machin et tout. Bah, de la même manière, nous, ce que les livreurs ils vivent en termes de conditions de travail, de rémunération, etc., c'est là-dessus que les gens ils se mobilisent. Mmh. Personne ne se mobilise pour le statut, machin, ça, tu vois, ça n'a pas de... C'est pas concret, ça n'a pas de sens. Mais du coup, les luttes qui sont menées maintenant et qui concernent quelques-uns, elles ont des conséquences sur l'ensemble du monde du travail, parce que le patronat et le gouvernement qui l'aide, hein, pour donner un exemple, Stuart, qui est une boîte de livraison qui n'a pas pignon sur rue, parce qu'en fait, tu ne commandes pas sur Stuart, tu commandes sur Just Eat, et c'est Stuart en fait, qui livre. C'est une, comment dire, c'est quoi? C'est une branche qui dépend de Just Eat. Et bien justement, c'est encore pire que ça. C'est un sous-traitant de Just Eat, qui en plus a remplacé dans 26 villes, dans l'endroit où je bossais à Lyon, des livreurs salariés, parce que moi j'ai bossé pour Just Eat, ils ont fermé ils ont mis fin au contrat des salariés dans le cadre d'un plan de licenciement où il y a une lutte qu'on a menée plus ou moins difficilement. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est Stuart qui livre. Et Stuart, ce n'est pas une branche de rien du tout, c'est une filiale en fait de La Poste, que La Poste a revendue récemment, mais La Poste qui appartient toujours au gouvernement français, enfin à l'État français plutôt. Et donc, on va dire, le gouvernement qui défend d'un côté les capitalistes que sont Uber, Deliveroo, Stuart, etc., il est en même temps partie prenante du débat parce qu'il possède indirectement par le biais de La Poste une boîte de livraison qu'ils ont revendue récemment. Eux parce aussi que se font du profit là-dessus. Bah, déjà, eux aussi se font du profit, mais surtout, quand on pousse la philosophie, est-ce que La Poste, elle fait ça pour tirer un peu de thunes pour l'État français? Est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire? Ou est-ce qu'ils font ça parce que ça leur permet de mettre en œuvre, et c'est plutôt ça, un laboratoire social d'expérimentation de jusqu'où on peut tirer les conditions vers le bas? Et donc, le conflit des livreurs aujourd'hui, bah, en fait, il concerne toute la société. Parce que si on laisse une partie des travailleurs de la classe ouvrière descendre vers des conditions qui sont de pire en pire, ça veut dire qu'on ouvre la porte à ce que, ainsi de suite, bah, les conditions se dégradent partout. Et l'intérim, c'en est un exemple, c'est pas nouveau, ça fait 50 ans que ça existe. Et c'est la problématique, c'est aussi comme ça qu'elle se crée, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important aussi que la CGT organise, c'est dans le nom général, tous les travailleurs, dépendamment du statut, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir justement à cette mobilisation, ça m'a un peu rendu curieuse de savoir quelles sont les relations que vous avez, vous, avec, bah, je sais pas, justement, ces entreprises que sont Uber Eats, que sont Deliveroo, etc. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce que vous avez du contact? Est-ce que vous avez, au contraire, été en rapport de force direct? Comment ça se passe avec... Parce que... Quand on voit des travailleurs dans des usines, etc., comme on avait reçu avec Manon Vion, bon, bah, la Verbaudet, pour le coup, les patrons, on les voit, on les connaît. Là, comme tout passe par des plateformes, ça doit être plus compliqué aussi, j'imagine, d'avoir un contact, une relation avec eux. Enfin, voilà, c'est... Mais tu vois, même pour... Tu vois, j'ai pas dit oui et non, parce que la question, c'était pas une réponse par oui ou par non. Donc pas cette fois. mais pour relativiser, tu vois, même l'exemple de... Tu vois, t'as parlé de Manon Vion, Verbaudet. Je vais pas opposer les luttes, au contraire, tu vois. T'as une boîte où tout le monde est au même endroit avec un patronat. Oui, c'est ça. Mais en vérité, tu vois, premièrement, tout le monde il est peut-être au même endroit, mais entre les catégories socio-professionnelles, les horaires, parce qu'en plus, eux, ils bossent en équipe, tu vois. Donc ceux de la nuit ne connaissent pas forcément ceux de la journée, ainsi de suite. Et puis même le patronat qui aujourd'hui, c'est pas... Tu vois, tu peux avoir ton patron qui est au-dessus de toi, mais ça peut être juste ton directeur, ça peut être des capitalistes. En l'occurrence, je crois que c'est le cas pour Verbaudet, qui possèdent des parts de la boîte. Enfin, c'est une réalité qui est diverse et variée, quoi. En tout cas, avec les chefs, ils ont eu, justement, sur les piquets, un moyen de les rencontrer, etc. Vrai. Ça, c'est plus simple, tu vois, en termes de rapport de force. Mais nous ça peut paraître être l'exact opposé, parce que les mecs, c'est chacun pour soi, les patrons sont loin, etc. C'est une réalité. Mais le capitalisme aujourd'hui, et en soi, c'est un renouvellement perpétuel, c'est pas nouveau, il existe en individualisant les gens. Donc, si tu veux, il peut le faire sur le même lieu de travail, ou il peut le faire en recourant à une application qui masque la réalité du rapport d'exploitation. Alors ouais, on peut dire c'est plus dur, machin et tout, mais moi, je ne suis pas pour hiérarchiser les difficultés à lutter. C'est-à-dire que parfois, on peut dire, même si je l'ai fait tout à l'heure avec les travailleurs sans papier en disant que c'était... Enfin, justement, c'est ça. S'il y en a pour qui on pense que c'est plus compliqué, mais qu'ils y arrivent quand même, peut-être que plutôt de se dire c'est plus dur pour eux, ou même c'est trop dur pour moi, donc je ne vais rien faire, on peut se poser la question de qu'est-ce qui peut être fait ensemble. Et ce qu'on a vu dans la livraison, c'est que tu vois, même si c'est pas simple, et bah, tu as des outils qui permettent aussi de se mobiliser, et qui font que dans les dernières années, on en a eu plein des luttes. Et même, on a eu, je pense, plus de luttes proportionnellement à des secteurs qui sont extrêmement établis, installés, etc. Pourquoi? Parce que les conditions, elles sont terribles. Parce que, enfin, terribles. Peut-être que comme c'est nouveau aussi, il y a tout à faire. Il y a tout à faire, parce que la CGT, et pas que, tu vois, même si évidemment que je suis très attaché à mon organisation syndicale, mais d'autres, y compris des associations ou des partis politiques, ont mis le sujet à l'ordre du jour. bah, ça crée des conditions à ce que les gens ils se mobilisent. Et donc, ouais, c'est compliqué parce que tu vois, tu peux pas faire un truc qui est tout simple. Tu peux pas juste arrêter de travailler, monter voir ton patron et lui mettre un coup de pression. Ben c'est ça aussi sur temps, ça qui joue, c'est que quand, comme ils sont indépendants, enfin comme vous êtes indépendant, ouais. Bah t'arrêtes de travailler, bah, t'es juste pas payé en fait, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que les grèves comme sont comme un salarié qui fait grève, tu vois. Oui, la non même mais bien chose. Sûr, mais l'impact va pas être le même puisque tu travailles à ton compte, donc tu vas pas forcément pénaliser le reste. Alors l'impact il va pas être le même si t'as une grève qui est pas majoritaire. Et que du coup, tu as d'autres gens qui sont là pour bosser. Mais typiquement, quand vous étiez mis en grève, est-ce que du coup, il y en a... est-ce que ça a vraiment eu un impact? Alors, bah, mais je vais répondre, je vais faire un détour. Tu as pris l'habitude. Tu vois, Manon Vion, dans le stream que vous avez fait, dans le live que vous avez fait, elle explique que tu as des... et qu'ils ont perdu au tribunal en plus, que tu as des intérimaires qui sont venus les remplacer. Si tu veux, nous, c'est la même chose, sauf que tu n'as pas besoin d'intérim. Bah oui, parce qu'il suffit de mettre une prime et d'autres gens vont venir bosser. C'est ça. Mais on a eu des grèves qui sont majoritaires et ouais, ça a un impact. Je vais prendre des exemples qui sont un peu plus anciens que la grève de début décembre. Parce que comme à ce moment-là, je bossais encore pour Deliveroo, j'étais en plein dedans. Oui. Je ne sais pas que coordonner. C'était quand? C'était en décembre 2020. Okay. Vois, donc ça fait 3 ans. 3 ans. On était devant le Burger King Garibaldi à Lyon pour ceux qui connaissent. Et on appelait ça la pyramide. En fait, les commandes, elles s'empilaient. Parce que comme les livreurs ne prenaient pas les commandes, elles s'empilaient. En fait, du coup, les gens pouvaient quand même commander, mais il n'y avait pas de livreur pour les récupérer. Ils n'étaient pas livrés, donc ils étaient deg. Bon, ça encore, c'est le jeu. Du coup, et la plateforme est remboursée, donc ils raquaient. Tu vois. Donc en fait, ils préparaient des commandes qui, du coup, n'allaient pas être livrées. Et du coup, finalement, c'est assez malin quand on y pense, parce que du coup, tu ne peux pas être pénalisé pour une livraison que tu n'as pas effectuée. Non. Là où du coup des salariés, bah, ils vont pas travailler, ils vont pas être payés, ils vont être pénalisés parce que bah, ils ont pas pointé des choses après, comme ça. Après nous aussi on n'est pas payés de façon, ça revient au même, tu vois. Mais en soi la réalité n'est pas si différente. C'est plus, enfin comment dire, c'est moins visé, c'est-à-dire que c'est ah bah oui tu n'as pas pointé, on sait que c'est toi qui n'es pas venu, bah non juste il y a pas de livreur qui est venu récupérer. Bah, c'est plus dur à comptabiliser parce que tu peux pas faire des taux de grévistes machin, mais le rapport de force économique, tu vois, c'est-à-dire on rapporte de l'argent à un patron, donc pour l'impacter on va arrêter de lui rapporter de l'argent et lui coûter. Fondamentalement, c'est le même. Oui. Tu vois, de la même manière en fait, que le rapport d'exploitation, même si tu n'as pas le CDI, le contrat de travail, machin, c'est le même. Et du coup, là où par contre, ça, c'est plus compliqué, on va dire, c'est que l'individualisation du travail, par la plateforme, tu es vraiment tout seul avec ton téléphone, tu vois. Mais tu rencontres les gens avec qui tu bosses, machin. Oui, mais effectivement, on voit, hein, tu vois la plupart des livreurs, moi je sais, pour en avoir croisé beaucoup, ils se connaissent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... En fait, au final, t'es pas si seul que ça. C'est juste que c'est vrai que comme tu ne travailles pas dans un bureau ou tu ne travailles pas dans un lieu avec d'autres gens, ça peut paraître plus difficile. Ouais. Et ils jouent aussi sur cet isolement. Bah oui, parce que c'est pas l'isolement tout seul qui fait la différence. Enfin, tout le monde se plaint. Alors, je pense pas les gens qui regardent ce live, mais se plaint des grèves à la SNCF. Conducteurs de train, quand ils sont tout seuls dans leur train, ils sont tout seuls aussi. Hein. Ouais. Et ça n'empêche pas de faire le syndicalisme, même à une époque où il n'y avait pas d'outils numériques. Mais il y avait d'autres aspects. Bon, je ne vais pas pousser la comparaison plus loin parce que sinon je vais aller trop loin dans la comparaison. Mais il faut qu'on se... Enfin, l'organisation, elle doit se donner les moyens d'eux. Mais après, encore une fois, ça appartient aux travailleurs. Le rôle de la CGT, c'est même pas de mener les luttes, on va dire. C'est même pas de les gagner. C'est de les organiser, de créer les conditions. C'est-à-dire que nous, on est là pour que les travailleurs se réunissent, discutent, se mettent en branle. Et on accompagne. Et c'est le rôle de la CGT. Et chacun peut participer à le faire à son échelle quand il s'indique. Après... que ça marche pas, on n'en est pas les seuls responsables. Oui. Mais on crée les conditions d'eux. Pour que ça fonctionne. De A à Z, on sera les premiers et les derniers à le faire. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez senti que ça avait un peu effrayé ces grèves-là? Est-ce que les plateformes se sont rendues compte que bon, bah, finalement, il y avait des rapports de force qui se jouaient? Est-ce que vous l'avez senti, vous, à ce niveau-là? Peut-être de réaction, peut-être d'interaction, des trucs comme ça ou de pseudo-avancée, de dire « Ah ben en fait, on va vous écouter, mais bon... Ouais. » Là, tu vois, j'aurais pu faire la réponse que... Oui, mais non. Je me suis privé de... Tu vois, voilà, j'ai réfléchi un peu plus à en parler. Du coup, ce qu'on a vu, c'est que les plateformes, elles ont flippé de cette grève nationale. Ouais. Je réexplique juste, du coup, parce que c'est en toile de fond. Donc, dans la livraison, il y a un problème sur les rémunérations depuis toujours. C'est mal payé. Et au 1er novembre, il y a eu une baisse supplémentaire chez Uber Eats en particulier. Et puis, ce qui est dingue, tu vois, faut se mettre à la place, c'est-à-dire que cette baisse de rémunération, c'est qu'ils mettent en place un nouvel algorithme que les livreurs ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une commande, tu ne sais pas comment elle est calculée. Ils te disent c'est la distance, le temps d'attente, machin, mais tu ne sais pas pourquoi elle est plutôt... Oui, c'est assez flou en fait. Oui, c'est ça, plutôt à 3 €, plutôt à 4 €. Oui, parce qu'en plus, nous, quand on paye la livraison, on ne sait pas exactement la part qui est reversée, on ne sait pas pourquoi un coup, en fait, il va y avoir des promos sur les livraisons, un coup, tu ne vas rien payer, un coup, tu vas payer 5 €, etc. J'imagine que ça n'impacte pas directement les livreurs qui sont toujours payés plus ou moins pareil. C'est justement le problème, c'est que c'est un modèle économique, et ça, c'est le cas pour tout le transport en général, et à chaque fois qu'on se fait livrer, il faudrait se poser la question, que ce soit Amazon, du repas ou je sais pas quoi, on paye moins cher la, enfin on paye moins cher la livraison que ce que la personne qui livre va toucher. Mm. Donc ça interroge aussi, c'est-à-dire que du coup, si c'est le cas, c'est où que la plateforme prélève ce qu'on appelle la plus-value, c'est bien sur le travail des livreurs. Et du coup, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Et aujourd'hui, quand tu reçois une commande Uber ou Deliveroo, tu ne sais pas pourquoi tu la touches à 2,85 € ou à 4 € ou à 10 €. Mmh. Et du coup, la problématique qui est derrière, c'est qu'au 1er novembre, Uber Eats a fait évoluer sa rémunération et ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ça nous a lancé vers un processus de construction d'une grève nationale les 2 et 3 décembre. Il va justement, comme tu ne connais pas l'algorithme, eux, ils te défendent mordicus et ils le font depuis, que vous inquiétez pas les gars, en fait, il faut prendre un peu l'habitude, mais ça paye mieux. C'est-à-dire que certaines sont moins bien payées, mais il y a d'autres commandes qui sont mieux payées et ça compense. Donc c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. Bah, j'imagine qu'en plus, c'est très facile de se rendre compte que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, une journée de travail et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas... Tout le monde s'en est rendu compte. Ouais. Mais c'est ça le pire avec le... Mais c'est aussi le plus fort. Mais ils le font quand même, même s'ils savent que les gens vont s'en rendre compte. Bah oui, ils savent, parce que de toute façon, c'est pas une bataille idéologique. Le patronal, ils essaient d'en faire une bataille d'idées. Mais on n'est pas là pour convaincre les directions des plateformes de mieux payer les livreurs. Parce qu'eux savent très bien que la rémunération qu'ils ont choisie, c'est celle qui est dans leur intérêt. Ça leur permet de garder plus pour eux. Et nous, pareil, on sait que les revendications qui sont portées, elles sont dans l'intérêt des livreurs. Donc après, c'est du rapport de force. Ouais. Et eux essayent de transformer ça, et ça va avec l'individualisation du travail, vers un débat d'idées, de dire, est-ce que nous, on ne défend pas le salariat, c'est l'ancien monde, on défend l'indépendance, chacun peut avoir la rémunération qu'il veut. Oui, puis joue sur, regardez, c'est flexible, chacun peut travailler quand il veut. Bah oui, mais en fait, non. Oui, voilà, et c'est exactement ça le rôle de l'individualisation du travail. Et donc, ça nous a amené à une grève nationale les 2 et 3 décembre, qui a fait peur à Uber et Deliveroo, parce que, c'est là-dessus que j'allais répondre tout à l'heure, ils ont envoyé des messages à tous les restaurants pour leur dire, bah voilà... c'était le week-end, il y aura un mouvement de grève, donc préparez-vous à ça. Si vous voulez, on appelle ça éteindre la tablette, c'est-à-dire le resto désactive la tablette. Vous ne prenez pas les commandes ce jour-là. Voilà, c'est ça. Vous ne recevez pas de commandes, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà quoi. Tiens, elle est intéressante cette question, mais elle est un peu technique la dernière, mais j'y reviendrai tout à l'heure si c'est dans le débat sur la plus-value. Attends, je l'ai lu, pas sûr qu'il y ait de plus-value pour le moment. Organiser un service à perte pour être en position de monopole et ensuite remonter les prix. Bon, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est tout à fait juste, c'est vrai, parce qu'ils fonctionnent avec un modèle de start-up où ils récupèrent de l'argent en fait d'appels à capitalisation qu'ils font en bourse. C'est vrai, mais en fait, le modèle, il vise à être rentable à la course plus tard. Il a déjà été dans certains pays et dans certaines boîtes. Donc, même si pour l'instant, il n'y aurait pas une dite plus-value, tu as quand même de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Et ça se fait au détriment du travail, tu vois. Oui, bah, comme d'habitude. Mais l'analyse économique, elle est juste. Et puis, ils ont essayé de se racheter à un moment. Ils n'ont pas fait tout ça. Et du coup, pour revenir sur la question d'Uber et Deliveroo, et de Stuart aussi, j'en parle moins. Évidemment qu'ils ont parce coupé. Que c'est les... 3 plus grosses. Ouais. Après, j'imagine qu'il y en a d'autres. À une échelle locale. Ou... Tu as même des boîtes, ça m'en fout, qui n'existent. Je ne vais pas forcément les citer parce qu'on n'a pas forcément une lutte contre elles, mais qui existent qu'à une échelle locale dans certaines villes. Et qui font pareil. Qui font pareil, mais ils payent un peu mieux, mais toujours en auto-entrepreneur. Et eux, c'est les chevaliers blancs qui pourfendent l'ubérisation alors que c'est le même modèle économique. Quoi. En disant que ils sont plus à l'échelle locale, que comme ils. C'est plus petit, peut-être que c'est plus facile pour eux du coup d'augmenter en fait, de faire une pseudo-concurrence, mais en final... Exactement. Et ça ne change pas grand-chose. Bon, ça ne résout rien, quoi. Oui. Mais du coup, en parallèle, et là maintenant c'est du coup que j'utilise en boucle, tu vois, je m'en rends compte. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Oui et non. Oui. Mais là où on en est arrivé, c'est que malgré l'ampleur du mouvement qu'il était... je souscris à la dernière affirmation mais pas toujours parce qu'il y a des luttes qui sont gagnantes, sinon on serait pas là. En parlera d'ailleurs après, on va pas parler que de ce qui est mauvais, on va parler des avancées, mais c'est vrai que pour le coup ce niveau là il y a quand même beaucoup à faire, hein, beaucoup à faire. Et la position des plateformes, ça a été de dire pareil en nous prenant pour des pigeons quoi, de proposer des avancées, je pourrais expliquer mais c'est pas forcément la peine, c'est-à-dire une amélioration d'une sorte de revenu minimum qui n'est pas minimum du tout, qui est bidon, parce qu'en fait, il ne comprend pas les temps d'attente, et de proposer de le passer d'un montant qui serait de 11,75 € à 14 € de l'heure en commande. Ce n'est pas l'heure de travail, du coup. Et donc, ça représente rien. Salut Mathieu, tiens. Ça représente rien pour les travailleurs, en fait. C'est rien de concret. Et eux, ils sont sur une position, les plateformes, à la fois dans la lutte économique, qui est de se dire, nous, on peut rester... on peut être raide et rien proposer, alors qu'il y a des victoires locales sur d'autres sujets qui ont déjà été obtenus. Dont on parle beaucoup moins d'ailleurs. Oui, dont on parle beaucoup moins ou qui sont passés, etc. Mais d'être sur une position économique qui est de dire on va rien proposer, on va attendre qu'il s'épuise et que les gens passent à autre chose, et aussi une position politique qui est le débat dont j'ai parlé, qui n'est pas un débat, du coup, la volonté du gouvernement qui est en soutien des plateformes et d'imposer une forme de plateformisation du travail partout, en France, mais ailleurs, hein, au niveau européen, on en discutera tout à l'heure, je pense. C'est la même chose qui s'est passée, où c'est le gouvernement français qui... mais ça, c'est propre à la France, hein, de vouloir rayonner partout sur le positif, je ne sais pas, mais sur le négatif. Les startups, en plus, je pense que ce gouvernement... c'est ça. C'est exactement ça. Les startups. Puis on n'est pas mieux lotis depuis le dernier remaniement là-dessus. Mais du coup, ils sont venus imposer cette forme de plateformisation du travail dans le débat européen, où ils ont fait... ils ont torpillé, c'est l'expression du communiqué CGT. J'allais dire fait capoter, mais ce n'est pas la même expression, du coup, mais c'est la même idée. C'est la même idée. Une directive européenne qui aurait pu apporter des droits en plus. Voilà, on y reviendra parce que je voulais aborder cette question. Mais du coup, si je dis ça, c'est que les plateformes, elles se positionnent à la fois dans le débat économique qui est leur, mais aussi dans le débat politique, même si elles ne le disent pas. Et ça fait que quand on a... Prendre un exemple qui est marquant, quoi. On a eu au mois de décembre... forcément plusieurs, mais un livreur en particulier à Pau qui est mort au travail. Oui. Il y a eu un accident mortel. On n'en a pas parlé, mais justement, ça avait beaucoup déclenché aussi de mobilisation à ce niveau-là. Et bah, localement, les gens étaient en colère, mais ça n'a pas eu d'effet automatique. Et puis au même mois de décembre... Pas d'effet boule de neige comme ça aurait pu le faire dans d'autres secteurs. C'est devenu la norme, en fait. Ouais. C'est ça qui est le plus terrible et le plus honteux. Et on a eu aussi des livreurs à Grenoble qui se sont fait arrêter parce qu'en situation irrégulière, et c'est grâce à l'action de leur syndicat CGT des livreurs de Grenoble qu'ils ont été libérés, etc. Les deux événements qui sont gravissimes, quand ils interviennent, on n'a eu aucune réaction des plateformes, alors qu'on les a interpellés. Quand Darmanin a utilisé à Marseille l'expression « Uber Eats », le lendemain, il sortait un communiqué. Les plateformes, donc en fait, ils sont plus attentifs à ce que vont dire les politiques sur eux que ce que vont revendiquer les salariés, etc. En fait, pour le coup, c'est... Plus attentifs, j'en sais rien, mais en tout cas, ils mènent les deux batailles. Ouais. Et ils mènent une bataille qui est politique. Mais ils ont besoin de ce soutien politique, justement, aussi. Peut-être que on reviendra dessus, mais... J'imagine que les politiques aussi, notamment ce gouvernement-là, ça les arrange bien d'avoir ce développement, de cette plateformisation, de start-upisation aussi. Alors pourquoi? Peut-être que tu pourrais nous le dire plus en détail, mais en tout cas c'est une réalité et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont plus peut-être attentifs, en tout cas que pour le coup ils préfèrent répondre à ce discours de Darmanin que d'alerter, en tout cas de répondre aux interpellations des travailleurs. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que c'est pas le... Mais c'est comme n'importe quelle lutte, hein. C'est pas la lutte des travailleurs X, de l'entreprise X sur leur sujet Y, quoi. N'importe quelle lutte, par définition, elle a des conséquences sur le monde du travail et sur la société tout entière. En bien comme en mal. Et d'ailleurs, par rapport justement aux politiques, parce que tout ça, c'est aussi une question qui est extrêmement politique, est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez, je sais pas, été reçu, ou en tout cas, vous avez été en contact avec, le ministère du Travail, Olivier Dussopt, vis-à-vis de ces questions? Parce que ils ont déjà parlé de tout ça en parlant d'avancées. Les quelques fois où on a notamment des augmentations, tarifications qui sont beaucoup plus compliquées que ça, ils le mettent en avant pour soutenir le développement de la plateformisation, de l'ubérisation. Est-ce que quelle est votre relation avec eux concrètement ? C'est bien parce que du coup, je réponds jamais. Je suis désolé, il n'y a aucune question à laquelle je réponds. Tu réponds très bien aux questions. La dernière ou l'avant-dernière, je n'ai pas répondu parce que c'était quel lien vous avez avec les plateformes. Et du coup, ça me permet de faire le lien. Avant, il y a eu des discussions, etc. Je ne vais jamais dire des négociations. Même aujourd'hui, ça n'a jamais été des vraies négociations parce qu'une négociation, chaque camp défend son intérêt et t'arrives, en fonction du rapport de force, à chuter sur un truc, quoi. Là, ça n'a jamais été le cas. Parce qu'il y a la bataille politique derrière, sur le statut, etc. Et donc, le gouvernement français qui innove, mais c'est ce qu'on disait aussi il y a un siècle et demi, que la classe capitaliste, c'est celle qui se renouvelle le plus et qui innove le plus, alors que c'est toujours la même. Ils ont trouvé un moyen qui est en fait sans imagination, du coup, malheureusement, je ne suis pas d'accord, parce qu'ils ont trouvé la parade qui est pas nouvelle en réalité, parce que ça a été la même chose avec l'intérim, je pense cet exemple, de proposer des choses qui ne viennent pas proposer des solutions en termes de droit à la source, c'est-à-dire que le gouvernement Macron, pas Macron du coup, mais Borne et ceux d'avant, etc., mais quoi qu'il en soit, voilà. C'est un peu toujours les mêmes, hein, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Borne qui était à la tête de la RATP avant, qui a cassé la RATP, Attal qui a cassé l'éducation, qui s'attaque à l'éducation nationale. Il la laisse pas en bonne forme, on va dire. Mais il en restera toujours quelque chose, de toute façon, grâce aux gens qui travaillent comme aux gens qui en bénéficient, voilà. Heureusement. On va avoir un peu d'espoir et on a des raisons de l'avoir. Mais du coup... là où je voulais chuter, c'est que ce qu'ils ont proposé, plutôt de dire rien du tout ou on vous rétablit dans vos droits, c'est un entre-deux qui est de dire, vous savez quoi, on a entendu la colère, elle est légitime, voilà, il faut qu'on trouve une solution. Et ce qu'ils proposent, c'est un modèle de négociation, ils appellent ça comme ça, où au lieu de faire simple, parce qu'on peut toujours faire simple, de dire, voilà, les livreurs et les VTC aussi sont concernés, mais je parle des livreurs, et demain, ce sera d'autres secteurs, hein, c'est ça un peu la toile de fond, tout à fait une imagination mal orientée, ou bien en fonction de leurs intérêts, oui, mais en fonction dans leurs intérêts, mais du coup pas dans les. Tout à fait. Imagination perverse, on pourrait dire. C'est ça. Et là, donc ils ont mis en place un système de dialogue social où ils veulent amener les directions des plateformes à se mettre autour de la table littéralement avec voilà les livreurs par le biais de leurs organisations syndicales ou d'autres acteurs qui sont allés choper à droite ou gauche qui ne sont pas des syndicats pour contourner les syndicats justement. Mm-hmm. Parce qu'ils ont un peu peur aussi des syndicats, j'imagine. Ça dépend lesquels. Ouais. Mais oui, hein, je pense oui, qu'il y en a un qui bien évidemment, qui en est plus qu'un autre. Oui. Mais pas que, parce que la CGT, elle est aussi dans la proposition et dans le quotidien. Oui. On n'est pas que dans l'affrontement permanent, enfin, je veux dire, sinon ça n'a pas de sens. Bah non, parce que l'affrontement permanent, c'est pas le syndicat qui le fait. C'est la définition de la lutte de classe, c'est le rapport capital-travail. L'affrontement, c'est quand on paye quelqu'un une misère pour faire un travail éreintant. C'est pas quand ce quelqu'un il vient revendiquer mieux, ça c'est pas ça l'affrontement. Ça c'est la conséquence de cette inégalité-là. Et du coup, ce qu'a proposé pour justement se battre contre la réalité en fait, parce que voilà, le rôle du gouvernement, c'est aussi de protéger les capitalistes et leurs intérêts. Et c'est tout un arsenal juridique. Que sont ces plateformes du coup ? Que sont ces plateformes ? Et ça a été de mettre tout le monde autour de la table en disant, on n'a pas besoin de mettre en place des normes, ce qu'on appelle d'ordre public, c'est-à-dire qui s'appliquent à tout le monde. C'est la loi, c'est le code du travail. Donc ils sont contourné le code du travail en fait. De fait, ils le font parce que c'est le cas aujourd'hui et ils laissent faire. Et au lieu de ça, on va les laisser négocier et discuter. Et du coup, ça crée un cadre de négociation que le ministère du Travail organise, mais ils ne sont jamais venus, et honnêtement, tant mieux, mais que le ministère organise, où on va avoir des réunions où la CGT et d'autres organisations vont dire la CGT va dire, je vais même en rester sur ce que fait notre organisation syndicale, va demander des informations, demander des éléments, etc., émettre des revendications. Et en face, on a des plateformes qui vont rien répondre, même pas expliquer l'algorithme qui rémunère les livreurs. Donc, oui, ce serait la moindre des choses, en fait, de savoir à quoi... Enfin, je veux dire, pour moi, ça paraît évident que quand tu signes un contrat, tu sais pourquoi tu es payé. Mais là, en fait, les gens, insidieusement, signent des contrats sans savoir, en fait... ce pourquoi ils sont payés, du coup, ça laisse le libre cours à... C'est de ouf. Ouais. T'imagines un seul salarié ou même un indépendant, comme ils disent, vous êtes indépendant, machin. Un seul indépendant, un plombier ou je sais pas quoi, même un livreur auto-entrepreneur qui va démarcher des restaurants ou des commerçants qui signerait un contrat où il dit « je sais pas combien je vais toucher ». C'est fou. C'est de ouf. Enfin, je veux dire, dans n'importe quelle autre fonction où justement il y a moins du coup cette idée de plateformisation, on dirait, mais enfin, je veux dire... Comment ça, je vais travailler sans savoir à quoi va correspondre ma rémunération et du coup, qui peut fluctuer un peu sans que j'ai aucun contrôle dessus, quoi. Ouais, c'est un truc de malade. Et du coup, on le sait, la rémunération, s'il n'y a pas de normes d'ordre public, de loi, comme le SMIC qui permet d'avoir ça, ça veut dire qu'elle dépend du rapport de force. Si on la laisse à la négociation collective, comme aujourd'hui, les conventions collectives dont plein démarrent en dessous du SMIC, bah, si on laisse ça au rapport de force, quand le rapport de force il est favorable, mais tant mieux. Quand il est défavorable, et bah, tant pis pour les travailleurs. Et ça, c'est le syndicalisme CGT en France qui demande les mêmes droits pour tous. Tu vas dans d'autres pays. Mais qui demande aussi du coup pour les autres pays, j'imagine aussi. Non, moi, je n'aurais pas de... Européenne, on a des positions sur le débat européen, j'y reviendrai, mais je n'émettrai pas d'opinion à la place des travailleurs d'autres pays. Bien sûr, mais parce que du coup, pour comprendre, c'est-à-dire que quand vous obtenez, par exemple, je sais pas, des avancées, ou en tout cas, vous faites des revendications en France, etc., est-ce que vous avez aussi un œil sur comment elles agissent dans les autres pays? Je pense aux pays frontaliers, la Belgique, les Pays-Bas... Je vais faire le lien, tu vois, sur ce que je disais, justement, c'est que la manière dont ce dialogue social bidon a été organisé en France et qui sert de prétexte à dire on ne va pas intervenir, on ne va pas améliorer les droits. Ça a des conséquences sur d'autres pays parce que dans le débat européen, la directive européenne, si ça te va, je peux expliquer juste ce que c'est en temps. Donc c'est une publication qui a été publiée le 12 décembre dernier. Moi, j'ai pas les bons mots là-dessus parce que le droit européen, j'y comprends rien et franchement, ça me va. On n'est pas là pour parler de droit européen. En tout cas, c'était une directive donc sur les droits des travailleurs et des plateformes numériques en particulier, visant à améliorer en gros les conditions de travail. Ils ont publié certains trucs, donc d'ailleurs, si tu l'abordes, on peut en parler tout de suite. Donc la CGT en a fait un peu un résumé que je vous mets là. avec les points qui étaient abordés. Donc il y avait notamment la présomption de salariat, l'inversement de charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est aux plateformes de prouver d'apporter la preuve qu'elle n'est pas employeur, hein, pour employer les mots de la CGT qui ont été repris par la CGT. Inspection sur le lieu de travail, c'est-à-dire que si on reconnaît qu'un travailleur en fait était en salariat, pardon, ses collègues aussi vont faire l'objet d'une enquête pour savoir si eux aussi ne sont pas concernés. L'interdiction des licenciements automatisés, ça c'est ce que tu me disais tout à l'heure, et d'autres points qui ont été résumés. En gros, pour faire ça, et du coup, qu'est-ce que, du coup, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous aviez regardé, parce que ça s'applique du coup, si j'ai bien compris, à l'échelle européenne. Du coup, là aujourd'hui, ça s'applique pas. Et ok, très bien. Comme ça, c'est, on va dire, comment dire, parce que la directive européenne, en gros, une directive, voilà, il la décide au niveau européen. Déjà, il faut qu'ils se mettent d'accord. Et je reviendrai sur le fond de la directive parce que c'est intéressant aussi. Ça revient sur les débats sur le statut qu'on avait tout à l'heure. Mais du coup, cette directive qui pourrait apporter des droits nouveaux pour les travailleurs de plateforme, avec des guillemets parce que la CGT, on a plein de choses à en dire, elle ne s'est pas appliquée. De toute façon, elle ne s'appliquera pas tout de suite parce qu'entre la décision au niveau européen et la transcription dans le droit national, ça prend 2 ans. Mais au niveau européen, ils n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord. Pourquoi ? Que c'est la France qui est quand elle avait la présidence de l'UE, ils ont tout bloqué. Et là, dans le débat, ils ont bloqué. Pourquoi? En disant non, mais il n'y a pas besoin, entre autres, hein, je caricature à peine, mais entre autres, il n'y a pas besoin d'imposer des règles comme ça. Parce que regardez, nous en France, on a notre propre négociation, c'est unique au monde, c'est super, ça répond aux besoins de tout le monde. Alors que ça n'a jamais fait ses preuves en plus. Ça n'a jamais fait ses preuves, même les organisations que nous on considère comme, on va dire, je vais essayer de parler. La manière la plus pour mettre les gens d'accord, parce qu'on a réussi à se mettre d'accord entre nous, mais qu'on considérait au début comme les moins favorables à la construction de nouveaux droits et en tout cas à l'application du Code du travail pour les livreurs de plateforme, parce qu'il y a des organisations qui ne défendent pas du tout des choses comme la CGT le font, et puis ils ont le droit de le faire. Même ces organisations-là, elles reconnaissent que ce cadre, il est défavorable, du coup, le cadre qui existe en France. Et du coup, le gouvernement français seul, il a réussi à faire capoter ça pour le moment. Ça peut revenir, en se basant sur des arguments qui sont fallacieux, du coup. Enfin, qui sont fallacieux, mais parce qu'encore une fois, c'est pas un débat d'idées, c'est du rapport de force. Mais quel lien ça fait avec ce que tu disais plus tard? Tu vois, nous, en France, qu'est-ce qu'on peut avoir comme aspiration pour les autres ou pas? De la même manière que j'ai dit que dans le même pays, le fait d'avoir des travailleurs en situation régulière ou en situation de sous-traitance, ou voilà, des travailleurs qui n'ont pas le même statut que d'autres, ça crée une division dans la classe ouvrière. Mais c'est la même chose à l'échelle de différents pays. Ouais. Et ça, on le vit dans d'autres secteurs. Bon, nous, on ne peut pas délocaliser la livraison à vélo, par définition. Mais quand on sait qu'il y a des gens qui ont des conditions de travail et de rémunération qui sont plus faibles dans un autre pays, en Europe ou ailleurs, ça aussi, ça fait pression sur les conditions de travail en France. Et ça montre bien que la solidarité qui doit exister à l'échelle d'un service, d'une entreprise, d'une localité, d'un pays ou au niveau international, c'est tout dans la même continuité, quoi. Oui, parce que sinon, il y a un nivellement par le bas qui est fait en disant, en fait, dans ce pays-là, ils sont payés tant, vous, vous êtes payés plus. En gros, voilà, c'est déjà bien, quoi. Puis le capital, il est international, hein, il ne se limite pas aux frontières des pays, ils n'en ont rien à faire, même. Donc, surtout que la plupart du temps, ces boîtes-là, en fait, elles sont, Uber Eats, Deliveroo, etc., c'est pas les sièges, ne sont pas forcément que en France, et c'est surtout pas depuis la France que sont prises les plus grosses décisions, etc. Je pense à Just Eat, par exemple. Qui du coup utilise des sous-traitants, etc., chose que je ne savais pas d'ailleurs. Just Eat, on en avait parlé au téléphone, du coup c'est une boîte qui d'ailleurs, pour préciser, c'est une boîte hollandaise qui est donc revendique d'être la seule, en tout cas, à avoir salarié tous ces livreurs, et c'est sur ça un peu qui d'ailleurs c'est une bonne chose, hein, d'ailleurs ce serait souhaitable, mais c'est plus compliqué que ça. Tu m'expliquais que toi t'en avais un peu expérimenté ça. Mais même ça, c'est ouf, c'est devenu un argument. Après, ça, c'est aussi grâce à notre action, quoi, CGT et puis les travailleurs. Oui, j'imagine. On a réussi à mettre dans le débat le fait que c'était un argument commercial. Je pense que ceux qui sont plus les Parisiens, quand il y avait Goréas, Flink, tout ça, je pourrais en parler, se sont implantés. Qui n'existe plus d'ailleurs. Qui n'existe plus. C'était un argument commercial sur les panneaux RATP de dire on considère bien nos livreurs. Donc voilà, le capital, il arrive à te retourner la tête. Juste parce qu'ils vous salariez, en fait, ce qui est ouf. Mais ouais. Parce qu'on peut être salarié, mais d'avoir des conditions de travail déplorables. Hein. C'est pas un choix. C'est quand les gens ils sont exploités, ils doivent bénéficier du Code du travail. C'est pas au petit bonheur la chance, quoi. Et puis du coup, en plus, quand t'es salarié, tu peux aussi être, quand il y a des plans sociaux, enfin, tu peux être licencié. Tout à fait. Après, t'as plus de droits. Et heureusement, pour le moment. Et encore pas tout le temps, j'en reparlerai pour parler de la boîte où je bosse aujourd'hui, Urbit. Mais du coup, oui, parce que tu ne travailles plus pour les plateformes désormais, c'est ça. Du coup, c'est plus une plateforme. Je reviens à Just Eat, si ça te va, parce qu'après je vais moi-même. Sinon on part dans tous les sens, désolé. Hein, mais... il y a plein de sujets. Peut-être que les gens comprennent rien quand, parce que moi j'ai tendance à m'éparpiller un peu, donc ça c'est. Ça va les gens, vous êtes toujours là. Peut-être si qu'ils sont plus là parce qu'ils comprennent rien à ce que je raconte, c'est possible aussi, mais. Ça va, non. Ça on verra, l'avenir nous le dira. mais du coup Just Eat, ouais, c'est une boîte qui a commencé à salarier les livreurs, toujours debout. Plus que tour debout, je suppose. Tour debout. Tour debout, c'est autre chose. C'est clair. Bah, merci Johnny Fracas. Vous êtes gentil. Mais c'est un pseudo. Gros sujet. Hein. Je vous avais prévenu aujourd'hui qu'on allait avoir plein de points à aborder parce que c'est tellement énorme en fait, comme ça soulève tellement de questions en fait, ce sujet-là que bon, voilà. Ouais, et on est des grosses pipelettes. Alors bon. Exactement. Et donc du coup, Just Eat, ils en ont fait un argument commercial de dire voilà, on va salarier les livreurs. En fait, Just Eat, c'est une boîte qui est issue de la fusion de Allo Resto que tout le monde connaît. Enfin, non, l'ancienne qu'on connaissait, à l'époque. Et merci Paris. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Et donc, vous me faites perdre mes mots. Oui, la fusion d'Allo Resto. Voilà, la fusion d'Allo Resto et Takeaway. C'est une boîte britanno-hollandaise. Et d'ailleurs, juste je te coupe et après je te laisse terminer. Just Eat ne s'appelle pas Just Eat dans tous les autres pays. Je sais que c'est Takeaway aux Pays-Bas et je crois qu'à Bruxelles ils ont encore. Enfin, je sais qu'ils n'ont pas le même nom. Ça a toujours un nom différent. Ça a toujours un nom différent, ce qui est assez étrange d'ailleurs et même difficile aussi de créer aussi une espèce de mutualisation en fait de la boîte dans les autres pays quoi. Ouais, mais après c'est un truc de filialisation. C'est comme pour ceux qui mangent des glaces, c'est un nom différent dans tous les pays, quoi. Oui, mais c'est le même logo et du coup trop bizarre. Pareil, plus chez nous du coup. Et donc cette boîte, quand elle a changé son modèle, alors c'est pas qu'elle a salarié les livreurs, parce que c'est une plateforme Just Eat, on commande sur Just Eat, c'est ça la plateforme. Mais c'est qu'ils ont créé une filiale qui appartient au même patron pour transport routier, du coup convention collective transport routier, comme les livreurs salariés et tout ça, pour acheminer les repas, quoi. Et donc ils ont créé ces filiales, dont la filiale en France, qui a commencé à salarier les livreurs à partir de novembre 2020 à Paris, puis qui a rayonné un peu partout ensuite, quoi. À partir du 15 février à Lyon, par exemple, je me rappelle parce que c'est l'anniversaire de ma mère, donc je ne sais pas si elle écoute toujours, mais ça peut lui faire plaisir. Voilà, c'est bientôt. Et du coup, donc on a bossé pour eux dans des conditions qui n'étaient pas non plus dingues. Hein. C'est un métier qui est compliqué, il y a plein de choses. Même fournir les vélos, par exemple, la boîte ne fournissait pas les vélos. Alors que normalement, elle est censée le faire quand on est salarié. Ça fait partie des choses, en plus du coup de la protection qu'on connaît. Ils sont censés aussi fournir le matériel, ce qui n'est pas le cas du coup des salariés, dont on reviendra après, hein, des livreurs indépendants qui doivent aussi subventionner leur propre. Voilà, tu vois, ça montre l'exemple de ce que je disais avant, et la fin de l'histoire va le montrer aussi. Bon appétit, du coup. C'est que si on a un secteur qui a des conditions qui sont poussées vers le bas, c'est-à-dire si on a Deliveroo qui paye les livreurs une misère et qui leur file pas de matériel, bah de l'autre côté, Just Eat, même s'ils salarient, ils peuvent baisser les conditions. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir peut-être l'inspecteur du travail qui va dire à la direction de la boîte, alors qu'il pourrait faire autrement, mais en même temps, voilà, il va dire ça, il va dire, mais en même temps. En face, ils sont pires, quoi. Donc déjà, on peut se satisfaire du peu qu'il y a aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, c'est du nivellement par le bas, comme d'habitude, quoi. Voilà, les capitalistes, ils sont pas d'accord, mais là où ils sont d'accord, c'est que même s'ils n'ont pas le même niveau de conditions, ça fait pression. Pour exploiter les salariés, ça, ils sont toujours d'accord. Exactement. Et du coup, Just Eat, en fait, ça s'est fini. Donc après un an de boîte, on a été élu. Voilà, la CGT, on avait déjà mené des luttes avant, comme quoi, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être plus ou moins gagnantes. On avait gagné une augmentation de l'indemnité, de la prise en charge du matériel, des choses comme ça. Qui est pas rien pour le coup. Qui est pas rien du tout, carrément, oui, complètement. Et à partir du mois de mars, quand on a été élu, on a eu un premier CSE. Donc le CSE, c'est le Comité social et économique. Donc c'est là où siègent les représentants du personnel. Dont on avait parlé avec Sophie longuement. Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous invite à voir l'ancienne diffusion. Et ça veut surtout dire que tous les salariés de boîtes de plus de 10 salariés, alors dans les boîtes de moins de 10 salariés, il y a d'autres possibilités, mais tous ceux des boîtes de plus de 10 salariés peuvent avoir un CSE avec des représentants du personnel. Donc c'est dommage de s'en priver et contacter la CGT au plus vite pour pouvoir le faire, mais pas tout seul. Pas tout seul. Enfin, ensemble, vous pouvez, enfin toujours tout seul, vous pouvez venir nous voir, mais on fera du collectif à partir de ça, quoi. Il y a toujours des élections. Et d'ailleurs, on précise qu'il y a encore des élections en cours, donc n'hésitez pas à voter ou à vous présenter, c'est pas encore trop tard. Voilà. Tout à fait. De toute façon, ça a lieu tous les ans. Ça a lieu tout le temps, c'est entre tous les 3 et 4 ans dans les boîtes, donc voilà, tout le temps, il y a des élections CSE en cours. Et donc, au deuxième CSE, un truc de dingue, quoi. Moi, c'était ma première. Alors, j'avais déjà une expérience syndicale en entrepreneur, mais c'était ma première expérience d'élu CSE. On a, je ne sais pas, c'était le directeur commercial européen, voilà, un ponte qui descend du siège à Amsterdam et qui nous dit, bon, on n'est pas, soi-disant, on a toujours mis en doute cette affirmation, mais on n'est pas assez rentable, on va fermer. C'était quelque chose de que, enfin, on vous avait dit ça, mais on vous avait pas apporté de justificatif. Il n'y a pas d'éléments économiques, Et donc ils viennent en disant voilà, on va devoir fermer, etc. Et donc ça a enclenché une procédure qui s'appelle un plan sauvegarde de l'emploi. Plan social, c'est de toute façon les deux sont lunaires quand tu réfléchis à ce que c'est, c'est-à-dire virer des gens. Un plan de sauvegarde pour virer des gens, c'est vrai que c'est un peu bon, voilà. C'est exactement ça. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est important à la CGT dans son entreprise, qui est que quand tu as un plan de sauvegarde de l'emploi, tu as plus de droits quand tu as des délégués syndicaux et donc du coup une CGT représentative dans l'entreprise que quand tu n'as pas de syndicat ou pire, quand tu n'as pas d'élus du personnel. Et donc ça aboutit à de nombreuses luttes qu'on a menées tout seul ou avec d'autres. Et qui ont, je vois que du coup il y a des débats de haute intensité dans les commentaires, de haut niveau. Et paf voilà. Et ça aboutit au licenciement économique de plus de 300 salariés, c'est-à-dire tous les livreurs qui ne sont pas sur Paris. Et pourquoi, parce que du coup ils ont vraiment tout misé sur Paris. Moi je pense qu'ils veulent garder la boîte postale, garder l'image, créer les conditions d'augmenter à nouveau. Mais que c'est plus rentable. Mais j'en sais rien. Franchement, en tout cas que ça ne les intéressait plus. Ça les intéressait plus en tout cas, ça faut le dire comme ça. Bah, en tout cas, c'est vrai que quand on pense à Just Eat, moi j'avais eu l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes, c'est que quand on utilise ce genre de service de livraison, on va penser à Uber Eats, on va penser à Deliveroo. C'est vrai que pour le coup, Just Eat, c'est vraiment pas quelque chose qui est ancré. Là où dans d'autres pays, et notamment aux Pays-Bas, en Belgique, c'est beaucoup plus implanté, c'est beaucoup plus, on va dire, je vais pas dire institutionnalisé, mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus le réflexe qu'en France. Ils n'ont pas forcément réussi à prendre le monopole à ces autres plateformes. Donc c'est peut-être aussi là-dessus que ça s'explique, c'est dans notre usage, on va dire, à titre individuel. C'est vrai. Tu vois, mais voilà. Mais le truc, c'est que ces éléments, maintenant qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois, t'imagines, t'es un capitaliste. Donc moi, je saurais peut-être jamais, j'espère ne jamais savoir ce que c'est. Donc voilà, t'as plein de thunes, tu décides de l'investir quelque part, t'investis dans un pays, t'embauches des milliers de personnes, parce qu'avec le turnover, ça a été des milliers de personnes qui ont été embauchées. Et après un an dans le pays, t'es en capacité de réunir ton comité d'administration avec plein de gens très importants à Amsterdam et de dire après, on peut être un capitaliste, être quelqu'un de très bien, par exemple dans les coopératives et tout ça. Et là, je sais que je t'ai convaincu, Mathieu. Après, on n'est pas vraiment un capitaliste quand on fait ça. Mais donc, ils peuvent à Amsterdam prendre des décisions qui impactent des milliers de personnes, enfin des centaines du coup, après un an d'exploitation du marché. Moi, en un an. Comment tu sais en un an c'est ça. T'as pas de vision de comment ça va évoluer. En fait, c'est trop rapide. Mais ça montre bien que la bataille économique, elle est toujours aussi politique, parce que. Et ça revient sur la question des frontières de l'international et tout ça. On a eu des gars qui sont descendus d'Amsterdam pour venir nous parler, mais jamais on a pu voir ceux qui prennent les décisions. Et quand on parlait à la direction française, ils disaient, alors que la direction française en plus est le directeur général de France, c'était le directeur général de Belgique, c'est le même. Donc déjà bravo pour faire les deux, félicitations. Il n'a pas fait longtemps, mais du coup ils sont en capacité de nous faire ça, mais en même temps ils ne sont pas en capacité de nous mettre face aux décideurs. Et ça, c'est une couverture. Et pourtant, très paradoxalement, ils prennent la décision à distance et elle a des conséquences pour les gens. Sauf que directeur général de Just Eat au niveau international et tout, le pélo, il est capable de nous dire à tous, vous dégagez, voilà, licenciement éco. Mais par contre, dans le débat européen sur la directive dont on a parlé, lui, il dit qu'il soutient la directive et qu'il s'oppose à Uber et Deliveroo parce que vous comprenez, à cause des méchantes plateformes, ils sont obligés de licencier des salariés. Oui, mais c'est trop facile en fait. Voilà, c'est des fausses excuses encore une fois. Et du coup, le fin mot de l'histoire, c'est pour ça qu'on est dans un pays de dingue. Fin mot de l'histoire, c'est que qui est-ce qui reprend le marché? C'est Stuart, la filiale de La Poste. Donc en même temps que. Donc en fait, ils sont toujours là. Mais oui. Mais ils se tournent. Enfin voilà, ils se font. Comment dire? Ils se cachent derrière une autre boîte. Peut-être aussi par rapport à l'image qui appartient à l'État français, et ça faut le souligner, c'est important parce que du coup après forcément c'est obligé que on comprend pourquoi la France est tant attachée à ce modèle-là Enfin, parce qu'ils ont aussi à gagner d'une certaine manière, et ça d'ailleurs c'est valable pour ce secteur-là, mais c'est valable aussi pour énormément d'autres secteurs. Tout à fait. Alors je réponds juste à la question. Oui, je suis lyonnais du coup. Il me fallait être là au début pour le savoir. Vous avez tout loupé, bravo. Voilà, les retardataires. Putain. Et du coup, tu vois, paradoxalement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pas l'État français défend ses intérêts à tout prix. C'est pas ça. C'est l'État français, mais comme n'importe quel État dans un pays capitaliste, il défend les intérêts de la classe dominante, qui en l'occurrence c'est la classe capitaliste. Les patrons. Et là, ce qu'on a, c'est intéressant parce que le gouvernement français s'oppose à une... bien vu, t'as très bien compris. Le gouvernement français s'oppose à une directive européenne parce que ça lui permet de défendre les intérêts des capitalistes dans son pays. Mais de la même manière, quand c'est... je ne sais pas si c'est une directive ou autre chose, mais quand l'Europe décide de couler le fret ferroviaire, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, le gouvernement français, il n'a pas de souci à soutenir la décision européenne à laquelle il pourrait déroger pour couler une entreprise publique française, et parce que ça permet de mettre du privé sur un service public et créer de la mise en concurrence. Donc les rapports de force, ils sont complexes, mais ils prennent toujours racine dans le même continuum, quoi, entre d'un côté le capital, de l'autre le travail. On y revient toujours. C'est exactement ça, voilà. Peu importe les formes qu'il prend, en fait, finalement. Exactement. Je voulais revenir un peu sur justement les avancées, enfin, entre gros guillemets, que les combats, en fait, qui ont été un peu gagnés, en tout cas, qui ont été revendiqués aussi par certaines instances. Tu me parlais tout à l'heure d'un revenu minimal, alors je crois que tu m'avais dit aux alentours de 11 € et quelques et tout. Moi, j'avais lu que début novembre, il y avait eu donc la RPE, qui est l'autorité des relations sociales des plateformes, en gros, qui est un établissement qui gère la médiation entre les livreurs et les plateformes, donc que tu dois sûrement connaître, avait signé un accord qui, dès janvier, devait permettre l'instauration en fait, d'un revenu minimum. Ouais. Ce revenu minimum que moi, j'ai trouvé à 7,65 € net sur toutes les applications. Alors je me suis permis juste parce qu'on m'a posé une question dans le chat, il est juste là, je l'utiliserai pendant le live. Il y a un petit running gag avec le paint, c'est ça? J'espère que c'est pas un running gag parce que j'espère vraiment pas, mais du coup... Une private joke au moins. Ouais, peut-être, j'aimerais bien aussi. Mais du coup... où est-ce qu'on en était là? Oui. Ouais, l'accord. Sur ce fameux accord, justement. C'est pour ça que c'est un truc de ouf. Tu vois, quand tu lis la presse, ils le formulent comme ça, ils disent la RPE a signé un accord. C'était Le Monde en plus, c'était pas. Voilà, ça vient de l'agence France Presse en plus, tu vois. Oui, c'est ça, mais c'est l'AFP, quoi. Donc, voilà, c'est une bonne référence aussi. Ouais. Et en fait, c'est tellement complexe, alors que ça devrait être simple. C'est tellement complexe, on crée des choses tellement compliquées. Quand je dis on, c'est l'État, quoi, le gouvernement, qu'on n'y comprend rien. Et tu vois, la plupart des articles de presse qu'on a lus à ce sujet, en fait, moi qui suis dans la boucle, quand je les lis, je me dis, mais non, c'est pas ça. Et en vrai, ça, pour le coup, tu vois, moi, c'est pareil, quand je vois des articles qui parlent de Twitch, de trucs comme ça, c'est toujours mal géré, t'es toujours un peu le point serré, alors que les choses sont beaucoup plus simples que ça, j'imagine. Après, elle pourrait l'être. Elle pourrait l'être, j'imagine. Mais j'ai l'impression que souvent, les gens qui traitent de ces sujets ont l'air de mal les connaître, ce qui est quand même un peu... Casse, quoi, quand après, c'est aussi propre à plein de métiers. Et puis moi, je ne veux pas tirer sur les journalistes du tout, tu vois. Mais, non, bien sûr, mais... Mais du coup, les complexités, elles sont telles que... Oui, c'est exactement ça. T'as cet avantage-là. Et qu'est-ce que je disais? Oui, justement, par rapport à cet accord. Cet accord. Donc en fait, ce n'est pas un accord signé par l'ARPE. Parce que l'ARPE, la première lettre, c'est autorité. Oui. C'est une autorité du ministère du Travail qui est chargée d'encadrer la négociation collective bidon dont j'ai parlé tout à l'heure, entre d'un côté les plateformes, de l'autre les travailleurs. Déjà, c'est un truc de dingue. On dit que les gens, ils sont indépendants, et en même temps, on met d'un côté de la table et de l'autre côté leur patron, et puis eux qui subissent, alors que il y a une contradiction, quoi, de dingue. Et en fait, cette volonté de rendre les choses toujours compliquées, toujours complexes, ça participe aussi du fait que personne n'y comprenne rien. Et ouais, c'est intéressant, ce que je pensais pas en parler, parce que j'y pensais pas, mais voilà, le déo. Alors non, le DO, du coup, c'est le droit ouvrier, qui est une revue juridique de la CGT que j'invite pas tout le monde à lire parce que c'est très technique. Ça a l'air technique, mais ça peut être utile aux militants. Et en tout cas, ça montre que la CGT, on continue à faire pareil tout un tas de revues très, très intéressantes. Donc, voilà, on est encore une fois dans la proposition. Mais Mettling, c'est le DG. C'était le DG, directeur général de l'ARPE, qui est cette autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui encadre le dialogue. Et voilà, là où on se dit que c'est un truc de dingue, encore une fois, c'est que Bruno Mettling, c'est un mec qui a été, je ne sais pas s'il était PDG ou DRH, mais voilà, qui a été haut placé à Orange. Orange, qui, on se rappelle, était une boîte publique, était France Télécom, qui a été cassée en 1000 morceaux, où les gens, ils sont jetés par les fenêtres. Donc, c'est quand même pas rien en termes de casse sociale. Et ce mec-là, après avoir déjà cassé un fleuron d'une entreprise publique française, parce que les télécommunications, c'est un service public, ça devrait l'être en tout cas, et bah, il a été missionné par le gouvernement pour diriger une mission qui devait faire des propositions très complexe pour le statut des livreurs, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et il a ensuite, après avoir fait tout ça, et entre les deux, même il a occupé une mission, par le biais de son cabinet, de conseil social pour Uber Eats. C'est-à-dire que déjà, c'est un mec qui était vraiment dans le camp du capital, qui avait une connaissance du milieu, par le biais de la direction des plateformes, qu'elle a servi. Et puis après ça, c'est eux qui ont écrit les propositions du texte, qui a encadré le dialogue social, pour au final... diriger l'autorité qui fait la médiation de ce dialogue social-là. C'est un truc, enfin... voilà, moi-même, honnêtement, avec toute l'imagination du monde, j'arriverais même pas à y penser, c'est trop gros. Et ça passe. Et même si on va jusqu'au bout, Orange, c'est La Poste, avant, c'est France Télécom, c'est les PTT. Et du coup, l'entreprise... Les PTT qui sont l'ancien nom des postes télégraphes, télécom, télécommunications, j'en sais rien. Bref, voilà. Ça s'appelle toujours comme ça dans certains pays. Et du coup, ce gars-là qui a bossé pour eux, qui a coulé une partie de la boîte publique, il fait ensuite la promotion de Stuart, qui est une filiale de La Poste, qui sert l'État français dans son projet politique, quoi. Et donc, on en arrive à cette instance de négociation. Cette fameuse instance. Ouais, voilà, tout à fait. Où on tombe sur un accord qui est pourri, qui est minoritaire. Mais c'est surtout qu'en plus, moi, quand je le lis comme ça, 7,65 € net, bon, déjà, j'imagine qu'en plus, c'est en théorie, pour l'instant, en pratique, on a bien compris qu'il n'y avait pas grand-chose qui rentrait en vigueur. Ouais. On ne se rend pas compte, c'est quoi, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est pour chaque course? Est-ce que, en fait, au final, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que ça permet une rémunération correcte? Est-ce que ça prend en compte, notamment, justement, l'entretien des vélos, etc. Ouais. J'imagine que non, quand je comprends ça. Ouais. Hey, j'ai compris un peu. Non, mais je peux expliquer vite fait, si tu veux. Ouais, rapidement. Tu vois, quand tu bosses du coup pour une plateforme, donc tu te connectes sur application. Quand tu es connecté sur application, tu attends des commandes. Ce que propose cet accord, et c'est pour ça que la CGT s'y est opposée, c'est qu'en fait, il compte chaque mois le revenu total que tu as eu, donc payé à la course. Je vais faire des chiffres ronds comme ça, c'est simple. Oui, non, mais bien sûr. Donc, tu as eu 1 000 €, voilà, 1 000 balles. De ces 1 000 balles, il faut déduire, bien entendu, les frais de matériel, tu vois. D'ailleurs, pour donner un peu concret, toi qui as été dedans, ça représente combien à peu près ces frais-là? Ça dépend trop en fait, parce que comme les gens peuvent travailler en temps partiel, en temps plein, en scooter, en vélo, en voiture. Oui, parce que ça correspond aussi, ceux qui travaillent en scooter, il n'y a pas de, par exemple, sur le prix de l'essence, etc., il n'y a pas de... Quand tu as 1 litre d'essence à 2 balles, tu vois, c'est un truc de... Et puis surtout parce qu'il y en a qui sont à vélo, mais il y a certaines villes où, moi je pense aussi certains coins de Lyon, etc., y aller en vélo à la Croix-Rousse, bon voilà quoi. J'ai fait plein de fois, mais non, c'est une anomalie livrer en vélo aujourd'hui, la norme. Mais surtout en hiver, encore plus, l'été, etc. Enfin, il y a tellement de conditions en plus que bon. Mais en banlieue, tu vois, ou dans les zones périurbaines, les gens livrent en voiture parce que c'est trop compliqué. Je sais, moi j'ai déménagé à Montpellier il n'y a pas longtemps et j'ai eu recours quelquefois à ces livraisons-là et j'étais étonnée parce que moi sur Paris j'avais toujours été habituée livreur à vélo voire en scooter. Là c'était des mecs en voiture qui déboulaient. Et en fait on comprend que les distances sont plus éloignées aussi, que puis peut-être même il y a une certaine forme de... Ça doit être moins rentable, mais peut-être plus agréable en termes de pénibilité du travail. Tu vois, mais c'est que en fait c'est une logique économique. La plateforme, elle fait de la thune parce qu'elle propose à tout un tas de clients de pouvoir bénéficier de leur offre. Donc, pour faire toujours plus d'argent, avoir plus de parts de marché, ils étendent les zones de livraison. Sauf que quelle espèce de ouf peut penser qu'en faisant des zones de livraison qui rayonnent partout, même à 10 km des centres-villes, donc vraiment dans des zones où c'est la campagne, il y a un mec qui va y aller en vélo ou même en scooter qui va y aller. Même en vélo électrique, c'est pas pensable. Et pourtant, les plateformes l'interdisent. C'est ça qui est très paradoxal. Elles interdisent quelque chose, comme pour les travailleurs sans papier, qu'elles savent que ça existe et qu'elles en ont besoin pour que le modèle économique fonctionne. Et parce que le vélo, ça reste encore aujourd'hui, le moyen de transport pour les livreurs qui est le moins coûteux. Ouais, qui est le moins coûteux, mais qui est aussi le plus compliqué. En général, on reviendra aussi là-dessus après. Upgrade au fur et à mesure. Tu vois, tu commences le vélo, ensuite tu as le vélo électrique, après peut-être le scooter. C'est un peu mais comme tu peux upgrade uniquement si tu as les revenus en conséquence. Ah, c'est clair. Quand on sait déjà que même 1 000 €. Même sans avoir à payer l'entretien du vélo, aujourd'hui, avec l'inflation, c'est c'est impossible de vivre correctement. Quoi. Ah, puis tu payes pour bosser en plus, tu vois, c'est ça qui est dingue, quoi. Et du coup, donc voilà, mettons que tu fais 1 000 €, c'est parce que c'est un chiffre rond, mais c'est vraiment rien, mais ça peut représenter la réalité. Donc si tu fais 1 000 €, mettons que tu vas mettre un montant X, je vais dire 100 balles, hein, mais c'est au hasard, quoi, dans tout ce qui est frais pour ton matériel, machin, bidule, truc, je sais pas quoi. Mettons que tu as envie de partir en vacances. Là, tu peux même pas mettre de côté pour ça, tu vois, c'est mort. Mettons que, en plus de ça, tu payes tes cotisations sociales. Parce que du coup, les cotisations sociales, juste pour rappeler un peu ce qu'on entend, c'est pas un impôt, c'est pas de l'argent qui va à l'État, c'est de l'argent qui va aux caisses de la sécurité sociale. Qui sont censés financer ta protection sociale, médicale, etc. Exactement. Et donc, du coup, c'est une part du salaire, en fait. C'est pas une taxe, c'est une part du salaire. C'est-à-dire que tu réinvestis pour avoir un service théoriquement derrière. C'est pas pour y avoir droit, toi, individuellement. Ça serait juste une logique assurantielle individuelle. C'est que collectivement, c'est le travail des gens en bonne santé qui payent l'assurance maladie des gens malades. Mais du coup, par définition, si toi, t'en as besoin à un moment, c'est censé pouvoir avoir cette garantie-là aussi. Tout à fait. Et du coup, là où il y a du vol qui est pratiqué par ces plateformes, c'est qu'elles payent un montant X au livreur et lui, il faut qu'il renie une partie de ses revenus pour payer ses cotisations. Sauf que quand tu gagnes rien, tu ne vas pas déclarer la vérité de ce que tu touches. Et en plus de ça, la part des cotisations qui dépend normalement de l'employeur, mais qui est quand même une partie du revenu du travail, eux, ils s'en défaussent totalement. Et ça a plusieurs conséquences. Déjà que les gens fraudent les cotisations parce qu'ils n'ont pas les moyens Et du coup, ça leur permet pas de... Avec des risques aussi après d'être radiés, enfin, d'avoir des ennuis aussi. Repayer un, tu vois, ensuite, si c'est repéré. Et surtout, très peu de droits à la protection sociale. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, pas de couverture quand tu as un accident du travail, alors que c'est monnaie courante. Et puis surtout pour des livreurs, les accidents de la route, etc. On en reparlera après avec les infrastructures, mais c'est un métier qui est très risqué, quoi. Évidemment. Surtout quand tu es fatigué, quand tu fais ça par tout temps, jour, nuit, etc. J'imagine que ça doit encore plus augmenter, quoi, le capital risque. Exactement, tu vois. Et du coup, en plus, ce qui est ouf, c'est que les accidents du travail en particulier, j'en parle, par ça, ça concerne tous les salariés. Vous avez un peu des chiffres sur en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas en avoir statistiquement. Du coup, c'est encore plus difficile de faire remonter des problèmes quand on ne peut pas chiffrer tout ça. Enfin, j'imagine que ça doit être encore plus compliqué. Certes, mais moi, je pars du principe que le capital le plus précieux, c'est l'homme. Et quand on a ne serait-ce qu'un livreur qui meurt au travail, et ça, c'est le cas, parce qu'en fait, c'est des dizaines qui sont morts en plusieurs années. C'est déjà trop. Oui, c'est déjà trop. Et le truc de dingue, c'est que... Mais après, il y a ceux qui meurent, on va dire, dans le cas le plus grave, mais il y a aussi tous ceux qui sont abîmés, usés. Exactement. On en reparlera après, parce que justement, je voulais aborder ce sujet, on gardera ça pour la fin. Mais si on en parle après, je reviendrai sur la protection sociale tout à l'heure, mais je vais juste dire un truc là-dessus, que du coup, l'absence de protection sociale et de financement de la protection sociale pour les livreurs, ça n'a pas que des conséquences sur notre pomme, ça a des conséquences sur tous les travailleurs. Parce que quand on dit aux gens... écoute, va falloir bosser jusqu'à 64 ans parce que soi-disant on peut plus payer, on peut plus financer les caisses de sécu. Déjà on peut, mais ensuite si tout le monde y participait comme il devrait, on pourrait encore mieux. Et c'est le cas pour l'égalité professionnelle homme-femme, c'est le cas pour les exonérations de cotisations dans plein de boîtes, et enfin c'est le cas aussi pour le travail dissimulé. Et donc avec tout ce que tu dois payer, etc., tu te retrouves avec très très peu. Et donc quand tu es connecté sur l'application avec cet accord 11,75 € de l'heure de revenu garanti minimum. Qui a été signé en octobre par la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, c'est ça ? Et d'un côté, et de l'autre côté, l'association des plateformes d'indépendants, qui est le syndicat patronal des plateformes. Qui, dans les deux cas, défendent les intérêts patronaux. La FNAE, on pourrait dire ça, peut-être, mais en l'occurrence, on est aujourd'hui sur les mêmes positions, tellement le comportement des plateformes... Il y a des limites, quoi. Voilà, c'est ça, non, mais c'est pour dire. C'est-à-dire que même leur modèle de dialogue social, même eux, ils sont trop bêtes pour y arriver, quoi. C'est-à-dire qu'ils créent... les conditions de douiller tout le monde, ils sont trop bêtes, ils n'y arrivent pas. Parce que même faire un geste, ils refusent de le faire, tellement ils sont aveuglés par le profit, quoi. Et du coup, donc, chaque mois, la plateforme, elle calcule le revenu que tu as fait, donc 1 000 €, le nombre d'heures moyennes que tu as fait. Mettons que tu as fait 1 000 € en 100 heures, tu vois, donc ça fait 10 € de l'heure en moyenne. Sauf qu'ils ne comptent pas ton temps de travail en entier, ce serait trop facile. Ils comptent le temps en commande, à partir du moment où tu l'acceptes sur le téléphone jusqu'à ce qu'elle est livrée. Et du coup, ils ne prennent pas en compte les temps d'attente, etc. Qui rajoutent potentiellement, parfois, qui doublent le temps, j'imagine. Tout à fait. Et donc, premièrement, tu as une grosse partie du temps de travail qu'elle n'est pas payée. Deuxièmement, en fait, comme ils comptent que le temps en commande, tu rattrapes rarement, parce que si tu comptes que ce temps-là, tu y arrives au montant de 11,75 €, quoi. Et donc, c'est malhonnête. C'est malhonnête, et ça vient renforcer l'idée qu'il faut mettre en concurrence les travailleurs autour du peu de commandes qu'il y a. Et donc, c'est pas du tout à la hauteur. Donc voilà, pour expliquer un peu mieux. Quoi. Et petite question un peu pour divaguer, mais parce qu'on n'a pas vraiment parlé des restaurants, parce que c'était pas vraiment la question, mais j'imagine les restaurants là-dedans, c'est un peu compliqué, mais j'imagine qu'ils gagnent aussi une certaine part à avoir recours à des livreurs plutôt qu'avoir leur propre livreur. C'est un tout, quoi. En fait, tu vois, on peut penser ce qu'on veut du modèle de la livraison. Moi, à titre perso, je ne suis pas du tout un adepte de me faire livrer, tu vois, paradoxalement. Mais ça crée une offre, en tout cas une réponse à l'offre, qui n'était pas possible auparavant. Tu avais des restaurants qui n'auraient jamais par rapport à leur échelle, etc., qui n'auraient jamais pensé à offrir une offre de livraison. Donc ça existe, tu vois. Après, on peut dire que c'est un aspect peut-être positif, tant mieux, ça apporte quelque chose aux gens. Après, disons que surtout dans les grandes villes où les gens sont en dynamique permanente, rentrent chez eux, n'ont pas le temps, etc., ça s'est un peu présenté comme une nécessité qui n'en était pas une, en fait. Après, on peut aussi dire que ça individualise la société, voilà, on peut en dire plein de choses que moi je peux partager aussi. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance, voilà quoi. C'est comme ça. Mais du coup, ce que ça fait, c'est que les restaurants, ils ont un double aspect, où en même temps, ils bénéficient de la livraison, et donc ils ont besoin qu'il y ait une livraison qui soit peu coûteuse pour leurs clients pour s'assurer qu'elle se poursuive, mais d'un autre côté, eux aussi ils peuvent se sentir arnaqué par la plateforme qui récupère une partie de la valeur, quoi. Après, nous, on mélange pas les genres, c'est-à-dire que c'est deux problèmes distincts. Voilà, c'est ça, c'est deux problèmes différents. Non, mais, ça mais tant mieux si les restaurants prennent le parti des livreurs. Après, ça a des limites, quoi. Il y avait une question qui m'est remontée. Est-ce que des ponts existent avec les travailleurs et travailleuses de la restauration pour des actions communes? Alors, pour des actions communes, on n'a jamais réussi à en mettre en œuvre concrètement. Ça pourrait exister. Tu vois, l'exemple, il est intéressant parce qu'en fait, la restauration, et surtout la restauration rapide, parce que c'est de la restauration rapide où... même s'il y a aussi maintenant des restaurants un peu plus gastronomiques qui se mettent aussi à faire ce type de livraison. Ça peut exister, mais bon, ça reste très minoritaire. Mais du coup, la difficulté, en fait, c'est la même. C'est que dans la restauration rapide, tu as un turnover, une précarité qui est telle que s'organiser, c'est pas simple. Ça veut pas dire que c'est impossible. Il y a des McDo, je prends l'exemple du McDo d'Elbeuf, par exemple, où il y a eu des luttes qui ont été menées, etc., qui ont abouti. Je prends un autre McDo parce que ça va faire plaisir à un camarade qui a... est-ce qu'il était sur Villefranche-sur-Rouergue ou pas? Je ne sais pas s'il était précisément sur Villefranche, mais le copain de l'Aveyron se reconnaîtra. Il y a des luttes qui ont été menées. C'est possible. Voilà, faut pas faire. Après, McDo, en plus, c'est bon, ça fait quand même, c'est quand même une entreprise qui existe depuis assez longtemps. Que ce turnover-là, il n'empêche pas, à mon sens, du coup, d'avoir permis avec le temps. Mais tu vois, McDo, la particularité, c'est que tu as McDo France, mais tu as aussi tous les franchisés. Et en fait, on en revient au même niveau de sous-traitance, qui est que franchement, s'il n'y avait que McDo France, si tout le monde était salarié de la même boîte, ça et que les gens y restaient 15 ans, voilà, ça aurait pas été pareil. Évidemment. Donc, si tu veux, il y a des problématiques qui sont communes. Après, les rythmes ne sont pas forcément les mêmes, etc. C'est pas... et tu vois, il y a un autre aspect, c'est que le patronat, il oppose aussi les travailleurs. Il va donner l'impression que c'est à cause des équipiers que... les gens, là, du coup, ils vont faire, dans le cadre des livreurs, ça va être à cause des livreurs sans papier ou qui seraient après accepter des courses basques, machin, etc. Et ça, t'as même des... Et moi, ça me rend fou. Et nous, la CGT, j'ai peut-être pas bien insisté là-dessus, mais tu vois, je fais un aparté là-dessus. On est les seuls à rabâcher, et on se met des gens à dos, mais c'est pas grave, tu vois, à rabâcher que non, c'est pas la faute des travailleurs sans papier, c'est-à-dire c'est pas la faute des étrangers, faut dire les mots comme ils sont, si les conditions, elles se dégradent. Et parfois, t'as des livreurs qui disent ça, qui ne sont pas d'origine française eux-mêmes, mais moi non plus, tu vois. Mais parce qu'ils se font aussi, il y a ce travail aussi de, désolé, c'est un peu dur à dire, mais de lobotomisation, où du coup, en fait, toi, tu es dans une situation où tu cherches des solutions, et du coup... c'est chacun pour ça. Voilà, et ça, c'est malheureux, parce que c'est les plateformes aussi qui sont responsables de ça, et ils le savent pertinemment. Mais c'est pas naturel, tu vois, c'est pas les gens, par eux-mêmes, ils pensent tout seuls, c'est la bataille idéologique, on met en concurrence les gens, et on fait croire diviser que c'est pour mieux régner, encore une fois, vraiment, c'est voilà, c'est tout à fait. Voilà, alors diviser pour mieux exploiter. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. Sony Turn 2 que je sais pas quitter, mais c'est le principe. Et du coup, il y a quelqu'un qui disait qu'il y a le FUR par exemple qui existe dans des mini syndicats pour les restos. Alors, moi, je sais pas ce que c'est le FUR pour le coup. Moi, je connais la CGT, donc je sais pas si c'est dans la CGT, mais je crois pas. Non, ça après, non, je connais pas. Mais ça pourrait arriver à terme. En tout cas, c'est en. Il y a des syndicats qui sont constitués ou des sections syndicales qui sont constituées en restauration de façon. Donc rien n'est impossible. Après voilà quoi. Bah déjà c'était c'est pas mal par rapport à ça, oui, donc du coup finalement c'est pour revenir à ce revenu minimum qui a été brandi comme une avancée, etc. Finalement c'est pas convaincant quand on l'entend. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui arriver comme avancée qui serait vraiment satisfaisante pour vous? Qu'est-ce que vous demandez? Je sais que la CGT, dans le communiqué, avait notamment demandé des choses comme la rétroactivité des droits pour les travailleurs. Il y a d'autres choses aussi, des garanties de maintien de l'emploi. Alors, des choses très concrètes. Je reviens un peu sur on va dire, les revendications qu'on porte. Sûr. Et je fais le lien après, si ça te va, avec le truc de... Parce que ça, c'est rapport à la directive européenne. On en parlera aussi, Donc voilà. Et du coup, juste... Tu vois, le copain, il a parlé de l'UD40. Enfin, le copain, je sais pas, mais je pense, vu que tu parles de la CGT, que des camarades ici. 44. Bah, j'espère que non. J'espère qu'il y a des gens qui le deviendront demain, quoi. Mais on a eu un camarade qui était dans la livraison et en fait, qui a rencontré la CGT 10 ans avant, peut-être pas 10 ans, mais quelques années avant, parce qu'il bossait au McDo qui était à côté de Nantes où il y a eu des galères et tout ça, quoi. Bref, c'est la parenthèse. Aujourd'hui, nous, la CGT, de toute manière, enfin, en vrai, ce que je vais dire là, je pourrais le dire pour n'importe quelle entreprise, mais c'est toujours pareil. C'est bien de le répéter. Mais ça montre aussi que c'est accessible. La CGT, elle construit ses revendications comment? C'est pas ça a pu l'être peut-être par le passé, à une époque où on était plus hégémonique dans le monde du travail. Mais la CGT, c'est pas moi et mon pote qui est syndiqué avec moi construit ses revendications tout seul. Ça ne se fait pas à trois, quoi. La CGT, c'est qu'on a un syndicat qui a pour but premier, il réunit les travailleurs. C'est ça notre raison de vivre, en fait. Et quand on réunit les travailleurs, et ça, faut en créer les conditions, et c'est pas simple, parce qu'on l'a tous déjà vécu, quand on essaie de dire à tout le monde, on se retrouve à tel endroit, on discute, t'en as qu'on mieux à faire, qu'on le choix ou qu'on pas le choix, mais voilà, il faut créer les conditions d'eux. Et il faut le comprendre aussi, malheureusement, ça fait partie des complications. Ah, c'est clair, parce que si on engueule les gens parce qu'ils viennent pas, on va pas se faire des amis, quoi. Alors que notre but de syndicaliste, c'est d'être unis, quoi. C'est de réunir, exactement, et de mettre les gens d'accord, ce qui est pas toujours simple, mais il faut aussi dire les choses comme elles sont. Sur le cas du racisme ou... Oui, voilà, il y a quand même des choses sur lesquelles il y a des valeurs pour communes. Pour la CGT, après. Pour la CGT, évidemment. Nous, on a ça dans nos statuts, le refus des idées d'extrême droite. Alors, c'est pas formulé comme ça, mais ça fait partie de... On parle dans le cadre de la CGT, bien évidemment, après les autres syndicats. Mais on est avec toutes les organisations et cette fermeté d'esprit qui permet aussi de convaincre, parce qu'il y a des sujets qui ne relèvent pas du débat. Et donc, on réunit les travailleurs et en fait, on part des besoins. C'est-à-dire que les gens, on voit bien comment, ce qu'ils vivent au travail et tout ça. Donc, quand tu discutes avec ton collègue, tu te rends compte, ah oui, mais... Moi, j'ai la même problématique, je vais prendre des exemples tout cons. Quand il flotte, on est mal payé, on travaille pareil. J'ai tel problème avec mon vélo. Le prix de la course, il a baissé. C'est bien le dialogue qui permet ça. Oui, il n'y a pas d'adaptation entre, par exemple, le fait qu'il pleuve ou, par exemple, là, je ne sais pas, il a neigé ces derniers jours, etc. Bon, on imagine qu'on travaille moins, mais il n'y a pas de... Ah bah non, tu travailles... Alors, c'est paradoxal. Tu travailles plus parce que les gens, ils commandent quand ils ont la flemme de sortir. Donc, plus le temps, il est mauvais... Plus il y a de travail. Quand je disais travail moins, c'est que tu peux mettre plus de temps d'arriver à un point A à un point B, par exemple, donc tu as un impact quand même. Surtout, c'est la galère. Enfin, bosser sous la flotte. Moi, j'ai bossé pour la flotte, sous la neige, même avant-hier. C'est relou, quoi. Tu vois, et tout le monde le sait que c'est relou. Et pourtant, ça n'empêche pas les gens de commander. Et du coup, le truc, je vais prendre l'exemple, tu vois, de la pluie et tout ça. Sans dire que c'est ce qu'on a réussi à faire ou pas. Mais tu réunis les gens, ils vont dire, putain, c'est vrai, quand il pleut, on n'a pas de prime de pluie, alors qu'avant, il y avait une prime de pluie. Donc ça pourrait être par exemple une revendication. Ça l'est pas la CGT, je vais le dire tout de suite pour pas avoir des 10 000 commentaires, mais ça pourrait être une revendication. Pourquoi ça l'est pas la CGT? Parce qu'en fait, quand les gens ils disent ça, on va expliquer, parce qu'on a cette vision-là, que pourquoi il y a une prime quand il pleut? C'est pas pour remercier les travailleurs de travailler dans les conditions qui sont plus dures. C'est parce qu'on sait que les livreurs ils vont pas avoir envie de bosser, parce que le temps il est abominable, et il faut encourager les gens à travailler. Sauf donc encore une fois, on profite de la situation de précarité pour mettre en danger. Parce qu'on va encourager les gens à bosser dans des conditions pas possibles. Et du coup, nous, la CGT, ce qu'on va porter, c'est qu'on va partir du besoin, c'est-à-dire de conditions qui sont difficiles, et trouver des revendications qui permettent d'y répondre en termes de rémunération, y compris des temps d'attente, de fourniture du matériel, de conditions de santé et de sécurité au travail. Et donc, comment la CGT a construit ses revendications? C'est toujours comme ça, elle part des besoins, elle réunit les gens pour identifier leurs besoins, leurs aspirations, et à partir de ça, elle va construire des revendications au quotidien pour avoir ce qui permettrait de déboucher sur des mobilisations et des luttes gagnantes. Et en fait, ça... et pas des luttes qui vont précariser davantage, comme ça pourrait l'être le cas avec la prime de pluie, etc. Tout à fait, ou qui vont être minoritaires. C'est-à-dire que la revendication top du top, moi j'ai trouvé la bonne revendication, celle qui est la mieux pour tout le monde. Si tu l'as trouvée tout seul, ça sert à rien, quoi. Et du coup, parce que toi, ta réalité, c'est pas forcément celle des autres, que ce soit par rapport à la localisation ou par rapport aussi aux besoins et aux... Et puis pour prendre conscience que tu as besoin de quelque chose, il faut que tu en discutes. On n'est pas les super militants... révolutionnaires qui lisent des bouquins tout le temps et qui savent ce qu'il faut pour les travailleurs. À l'inverse, ça peut être aussi en écoutant les autres que tu vas te rendre compte que tu as des besoins que tu n'avais pas forcément verbalisés ou conscientisés. À CGT, parfois on porte des conneries ou on porte des choses qu'on pense très bien, mais qui sont valables peut-être pour certains travailleurs, mais pas pour tout le monde finalement. Et ça, c'est aussi un autre aspect, qui est de dire que pour construire des revendications collectives, il faut partir du spécifique, du catégoriel, de ce qui concerne chacun d'entre nous. Et à partir de ça, tu construis du collectif. De partir de l'individuel pour remonter vers le collectif. Mais ça implique aussi qu'on parte aussi du collectif pour rapporter à la situation individuelle. Et cette dialectique, elle est tout le temps là-dedans. Et alors sur la démarche revendicative, parce que c'est vrai qu'on part du travail, mais pas que. On part pas que du travail. Et pour le coup, il y a une super communication de la CGT qui est sortie récemment sur la question des luttes pour le salaire. Un tuto. Je pense que si on tape tuto, lutte, salaire, CGT, on va le trouver. Je pense que dans la modération, ils vont pouvoir nous le mettre. Carrément, ça explique vraiment cette logique-là, quoi, qui est de convaincre et d'aller au débat. Et ça, c'est un truc qu'on fait au quotidien. Et du coup, nous, la CGT, on a plusieurs grands axes. 4 grands axes, on va dire, sur le quotidien. Le premier, c'est la question de la rémunération. On en a parlé. La revendication de la CGT, qui est complexe. Je veux dire, elle est complexe parce qu'en fait, c'est pas seulement de dire... Super, merci. Bah, non, merci mais tout à fait. Bah, même, attends, je réponds juste à ce qui s'est dit là, tu vois. Le... Oui, bien alors, sûr. Je ne sais pas qui c'est qui a ce pseudo-là, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûr. Mais là, voilà, la blague, tout seul, je voudrais renverser le capitalisme. Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout seul, tu ne pourras pas, mais de partir de la situation de chacun ensemble... Que toi, tout seul, tu veux le faire, de trouver des gens pour t'aider à le faire, c'est... Et même, ça permet d'avoir aussi un truc en deux temps, parce que personne ne se réveille le matin en se disant... J'ai compris en fait, c'est le capitalisme qui pose problème. C'est parce qu'il y a des patrons qui nous exploitent que la société elle marche à l'envers. Tu l'intègres au fur et à mesure du temps, des expériences, des choses que tu peux vivre aussi quoi. Enfin... C'est ça, et c'est parce que tu as un syndicat qui te permet de t'en rendre compte que tu vas pousser le débat et en fait te trouver face à une porte quoi, une porte qui te fait dire mais en fait ça aussi ça a été écrit dans des très vieux bouquins qui datent des années 50 que plus tu vas augmenter les salaires, plus tu vas te battre pour. Plus avec l'inflation et avec les stratégies du patronat, bah en fait, ils vont réussir à compenser ça. Et on est quand même contraint de le faire. On ne va pas se satisfaire du peu qu'on a. Bien sûr. Mais cette logique, elle montre que, eh ben, à un moment, mais je ne sais pas si le premier matin tu t'es réveillé avec ça, mais à un moment, il va falloir renverser le capitalisme et dépasser le capitalisme et construire une société nouvelle si on veut en sortir. Mais ça, ce n'est pas des grands débats, même si on doit passer par là, des grands débats idéologiques qui vont permettre... De corriger ça, mais c'est de partir du quotidien en lien avec ces grands débats. Et pour répondre à Julien, du coup, que je remercie de la présence, effectivement, c'est plus le mardi de la niveau 1, mais c'est l'avant-dernière journée de la nouvelle formation, du nouveau module participer à la vie de la CGT. Et pour ceux qui se posent la question de se syndiquer, tout syndiqué a droit à la formation. Ça fait partie des droits de n'importe quel syndiqué. Ça a été réglé en congrès il y a près de 20 ans. Et ça implique que si quelqu'un veut se syndiquer à la CGT pour accéder à la formation syndicale, et les salariés ont droit à 12 jours de formation par an, bah, ils peuvent, voilà. Et c'est une super raison de se syndiquer. Bah ouais, de fou. Parce que ce que je dis, je ne l'ai pas sorti de nulle part, vous en doutez bien. Quoi. Et donc aujourd'hui, voilà les revendications de la CGT. 12 jours. 12 jours, ouais. Et 18 jours quand on est formateur, donc c'est encore mieux. Quoi. Et en plus, oui, tout à fait, si tu travailles sur le département du Rhône ou sur le 7e et 8e arrondissement, si vous aviez encore besoin d'être convaincu, hein, voilà, je pense que ça va en dégoûter d'autres. Alors, ouais, 18, c'est quand t'es... Non, 18, non, mais quand t'es formateur, du coup, quand t'as vraiment pris goût au truc, quoi. Voilà. Et je sors complètement du sujet. Non, mais c'est très intéressant parce que ça, c'est plein de choses qui, permettent aussi de donner aux gens à voir ce qu'ils peuvent aussi avoir en se syndicalisant, accès à ces choses-là, qui ne sont pas forcément su de tous, connus de tous. Et je pense que la personne qui écrit ça, elle est un ou deux étages au-dessus du coup, et que j'ai pas bu un café avec elle tout à l'heure, mais ça on vérifiera tout de suite. Pour revenir rapidement, parce que le temps fuse, il nous reste un peu moins de 20 minutes, Bon, même si on n'est pas limité, on ne va pas vous garder toute l'après-midi. Justement, tu revenais un peu sur justement ces revendications-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont demandées, je ne sais pas, par exemple notamment au matériel ou à l'accompagnement justement des travailleurs indépendants qui peuvent... Tu veux que je réponde aux questions, c'est pas cool. C'est pas cool. J'essaye de te remettre... après, bon, tu réponds comme tu veux. Hein. Non, mais je vais répondre en plus avec la réponse à la question. Donc, on a 4 grands axes qui sont 1, la rémunération, avec le paiement du temps de travail effectif, donc de tout le temps de travail, même 5, on pourrait dire. Le deuxième, c'est la question des blocages de comptes. Je ne vais pas y revenir en détail, on en a parlé, mais du jour au lendemain, la plateforme elle peut bloquer un livreur. C'est pas normal. Sans avoir apporté de raison. Ouais, exactement. Il n'y a pas de motif, c'est pas justifié. Et donc, du coup, ça, on lutte contre les blocages de comptes au quotidien aussi. On a pu organiser plein d'actions, dont des envahissements des locaux Uber, des journées de grève, etc. là-dessus. Troisième, fourniture du matériel. On en parle aussi. Parce qu'il n'y a rien qui les empêche avec des travailleurs indépendants de fournir du matériel. Ils peuvent complètement mettre à disposition... Oui et non, parce qu'en fait, leur inquiétude, c'est que s'ils le font, ça met en évidence l'usurpation du salariat, et ça montre que c'est le cas, parce que c'est le rôle de l'employeur de fournir le matériel. Mais nous, on n'a pas peur de le dire, parce que les gens en ont besoin pour bosser. Oui, parce que du coup, je divague un peu, mais la plupart du temps, on a été habitués dans cette émission, les livreurs, ils ont leur propre matériel avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas adaptées, et qui vont participer aussi à qui coûtent de l'argent et qui vont surtout aller peut-être sur les choses les moins chères parce que par manque de moyens et parce que il faut faire des économies et du coup se retrouver avec des vélos pas adaptés, des choses qui abîment aussi, qui après on en reparlera parce que justement de l'usure des corps, je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant et on finira là-dessus, mais du coup qui se retrouvent aussi à mettre encore plus en péril leurs conditions par justement du matériel qui n'est pas adapté. Bah, tout à fait, ça y participe grandement et c'est un enjeu de santé au travail qui est important et qui fait lien du coup avec les travailleurs salariés qui, s'il y a des boîtes où on fait ça, pourquoi des boîtes demain qui salarient les gens, on ne va pas commencer à leur dire de de se payer leur propre matériel, quoi. Et le quatrième, j'aimerais bien répondre à cette question ensuite, si ça te va, sur les actions concrètes, mais dans la foulée. Oui, bon, on pourra terminer là-dessus. Hein. Ouais, bah, j'y viendrai. Je voudrais dire un petit mot aussi d'Urbit, si ça te va, en deux, enfin, ça fera le lien, mais je le ferai par la suite. Le quatrième axe, c'est la régularisation des travailleurs sans papier, on en a parlé, avec des luttes qui ont été gagnantes en 2020 ou en 2021 à ce sujet, qui sont passées par la grève et la manifestation, etc. Et le cinquième, la protection sociale aussi, on en a parlé, c'est-à-dire le versement de cotisations patronales par les plateformes. Et en fait, tout ça, c'est des revendications immédiates, des éléments qu'il faut qu'ils s'appliquent maintenant. Et en toile de fond, il y a la question du respect du droit du travail, qui peut passer par leur requalification ou autre chose. Et en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, et l'exemple de la directive, c'en est un bon, c'est que si tu dis à tous les livreurs, demain, vous êtes salariés, mais que ça implique que tu en as des dizaines de milliers qui, parce qu'ils sont sans papier, ne peuvent plus bosser, d'autres qui n'ont plus accès à leur compte, et que tu n'as aucun droit rétroactif en termes de protection sociale. Là, tu peux rien faire. Ou en termes de régularisation. Ce n'est pas une solution pour nous. Et du coup, c'est pour ça que cette directive européenne, elle est bien. C'est une mesure pansement, finalement. C'est une mesure pansement qui va servir dans le rapport de force. Mais il faut que les droits, ils aillent plus loin que ça si on veut que les gens ne se retrouvent pas trop dans la galère. Évidemment. Tu voulais répondre à cette question peut-être avant qu'on aborde le dernier sujet, justement, sur les infrastructures, etc., qui est une question importante aussi. Je te laisse répondre. Du coup, la question, c'était les actions concrètes que ça peut changer dans la vie de se syndiquer. Voilà. Toi, tu l'as expérimenté. Du coup, qu'est-ce que toi, ça t'a changé concrètement? Peut-être ça aidera les gens peut-être à se projeter aussi à ce niveau-là. Mais je vais même parler de ce que c'est au quotidien, parce que la face émergée de l'iceberg, c'est sans parler de la merguez, tu vois, mais on pourra en parler. C'est voilà, les mecs pas contents devant une entreprise, ou même nous, les livreurs en grève, avec les chasubles et tout ça. Ça, l'action revendicative qui passe par la grève et ou la manifestation et ou le rassemblement, / tout ce que tu veux, c'est un moment du syndicalisme. Mais le syndicalisme au quotidien, en fait, c'est parler avec les gens. C'est tout con, hein, c'est juste discuter avec les gens. C'est la base du syndicalisme, ça part de là. Et après, quand tu es dans un syndicat, moi je suis dans mon syndicat, qui n'est pas mon syndicat, qui est notre syndicat, parce qu'il appartient à tous les syndiqués de la livraison de Lyon, en fait, on se réunit régulièrement, on a une direction du syndicat qui se réunit, on fait des assemblées générales, des syndiqués pour prendre les décisions, ou des livreurs pour tâter la température de comment on prend la décision. Et au quotidien, nous, on n'a pas de représentant du personnel, comme ce n'est pas une boîte où c'est salarié, donc c'est un peu particulier, mais pas tant que ça, comme j'ai expliqué. En fait, quand les gens ils ont une problématique par rapport à leur compte, un compte bloqué, des soucis individuels, besoin de réparation pour leur vélo, c'est tout ça. On participe à tout ça pour créer de la solidarité. Ça fait beaucoup, du coup, quand même, de travail, de charge. Ouais, mais plus on est nombreux, moins on a. C'est ça le... Et toi, du coup, dans ton quotidien, ça nécessite une organisation particulière aussi de pouvoir tout gérer, j'imagine. Ça prend du temps quand même de faire tout ça, même si t'es pas tout seul, bien sûr. Ouais, mais tu vois, c'est toujours pareil, en fait. Le militant CGT, il fait, mais parce qu'il a un collectif, l'objectif, c'est de faire le moins possible, et pas parce que... j'ai envie de rien faire, quoi, tu vois. Non, mais c'est normal, tu travailles déjà. Bon, voilà. Et c'est d'avoir du collectif qui fait que les choses se passent. Moi, quand il y a eu la grève nationale du 2 et du 3 décembre, j'étais à l'Action parisienne, j'étais pas à Lyon. Mais les camarades gens de mon syndicat, ils ont, alors je les ai rejoints pendant la manif, mais ils n'ont pas eu besoin de moi pour tenir le truc, quoi. Parce que vous êtes combien à peu près aujourd'hui à Lyon en l'occurrence? Ouais, à Lyon en l'occurrence. On a une trentaine de syndicats, un peu plus, tu vois. Donc c'est pas non plus énorme, mais c'est bien. C'est déjà pas mal en vrai. Ouais, et puis on a énormément de sympathisants qui participent. Oui, des gens aux actions, qui peuvent aussi vous aider sans être directement impliqués. Tout à fait, exactement. Et du coup, le syndicalisme, voilà, c'est le. Ouais, mais ça, c'est un mot complexe pour le coup. Le don d'ubiquité, ça, c'est vrai que. C'est la classe. Et oui, mais je sais faire ça, et ça en surprendrait certains, être à plusieurs endroits au même moment. Mais du coup, oui, ça Mélenchon prend du temps, mais si tu veux, comme exactement. Il fallait que je le place. Mais je me comparais que là-dessus, du coup. Mais sur le syndicalisme, si tu veux, ça prend du temps, mais ça apporte en termes de diversité humaine et intellectuelle et de capacité à découvrir qu'on fait des choses qu'on ne savait pas faire. C'est incroyable. Et c'est pas... moi, j'ai aucun souci là-dessus. Et c'est justement ça le but du syndicalisme. On vise à l'émancipation, mais c'est déjà émancipateur en soi. Et, donc voilà, et puis ça doit être aussi satisfaisant, j'imagine, de te dire que tu as permis, en tout cas, voilà, de mener ce genre de lutte avec ton collectif, encore une fois, mais voilà, de se dire... Ça, tu vois, mon aussi de faire avancer les choses. Tu vois, mon angoisse principale, on va dire, c'est que je tiens à ce que demain, quand je ferai autre chose que de la livraison ou quand j'aurai plus envie d'avoir des responsabilités, il y ait d'autres, et c'est déjà le cas aujourd'hui, qui te remplaceront et qui prendront le relais. Qui les font. Et je pense que le but de tout militant syndical, c'est d'être oubliable, quoi. Et en fait, l'organisation, elle survit après toi. Et moi, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur. Et honnêtement, j'étais pas là au tout début quand ça a commencé en 2017. Ça a continué après. Et demain, quand je serai peut-être plus là, Parce que quand on parle des derniers sujets, je pourrais parler de ma boîte, le but c'est que ça continue. Ouais, quoi. Ouais. Oui, c'est ça aussi, de ne pas trop incarner à toi ou quelques personnes seules un truc, parce que si tu n'es plus là après, il ne faut pas qu'il y ait de sentiment de changement, ou en tout cas, s'il y a du changement, bah, c'est des avancées supplémentaires, c'est voilà, toujours d'aller dans le sens d'aller de l'avant. Et puis on est dans une machine en plus, la CGT, qui est tellement vieille et qui est tellement glorieuse par nombre de ses aspects, que justement, moi je suis fier qu'on porte cet héritage et qu'il perdurera après nous. Quoi. Et ça ne dépend pas de la volonté de tout un chacun. Pour terminer sur ce sujet qui nous a quand même pris pas mal de temps, je voulais qu'on termine un peu sur, tu parlais des on se parlait au téléphone des infrastructures, ouais, et de tout ce qui pourrait être mis en place aussi pour faciliter le déplacement et les missions des livreurs. Moi, il y a quelques semaines, j'étais tombée sur un article de Mediapart qui parlait d'une maison, alors c'était à Bordeaux en l'occurrence, ouais. Une maison des livreurs en fait, qui prenait, donc c'était une association qui prenait en charge justement un accompagnement, que ce soit d'un point de vue régularisation, mais même aussi d'un point de vue médical, en donnant accès à des kinés, etc., et qui mettait en avant aussi l'extrême précarité au niveau du corps, ou en tout cas de l'usure à ce niveau-là. Tu connaissais d'ailleurs cette maison des livreurs, oui, quoi, bien sûr. Il n'y en a pas qu'à Bordeaux peut-être. Il y en a deux en fait. Tu as la maison des coursiers qui est à Barbès, à Paris, dans le 18e. Et la maison des livreurs qui est à Bordeaux. Et là, tu remarqueras que j'ai oublié dans quel quartier c'est, parce que je connais pas bien Bordeaux. Moi non plus. Là, j'ai vu Bordeaux, ça, voilà, peut-être d'autres gens qui sont de Bordeaux. Moi, je ne suis pas de Bordeaux, donc voilà. Qui est donc un établissement géré par Médecins du Monde, donc c'est associatif, ouais, à Bordeaux. Alors, je ne sais pas à Paris par qui c'est géré. C'est par une asso qui s'appelle Coop Cycle, et qui en fait réunit les coopératives de livraison qui existent en France. On en a très peu parlé aussi. On pourra. Alors, c'est vrai que là, on est. Mais on verra. On pourrait en reparler, voilà. D'autres en parleront mieux. Ils mettent aussi en place des services de réparation, des vélos, etc. Est-ce que c'est le genre de choses que vous pourriez justement développer avec la CGT? Est-ce que vous avez eu justement vous avez servi, en tout cas permis de développer ce truc-là, ou ça a été quelque chose qui a été fait indépendamment voilà, vous n'êtes pas du tout intervenu là-dessus, etc. Ça m'intéresse. Oui et non, parce que tu as des militants qui sont intervenus dedans. En fait, les maisons des coursiers, maisons des livreurs, ça répond à quoi? Ça répond au fait qu'aujourd'hui, les boîtes qui emploient du coup les livreurs avec le statut dit d'indépendant. J'aime bien le à Bordeaux, c'est vers la gare. Voilà, j'aurais pu le dire. C'est vers la Bourse du Travail aussi. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. T'inquiète, moi je n'osais rien dire, donc je te remercie. Voilà, moi je le relève. Et du coup, voilà, ces infrastructures-là, elles répondent au fait que les boîtes elles-mêmes ne prennent pas en charge. Le fait qu'il y ait des infrastructures pour les livreurs. Oui, parce que j'imagine que du coup, que ce soit Berry, Deliveroo, etc., n'ont absolument pas investi là-dedans. Eux, ils sont complètement... Mais alors, je dis juste que Quentin, il se trompe. Je ne sais pas si c'est lui qui parle, désolé d'avoir balancé. Mais non, je te jure, c'est pas loin de la Bourse. Peut-être c'est à mi-chemin, ou peut-être que c'est toi qui te trompes. S'il y a des Bordelais dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester. Moi, Mordicus, désolé, mais je maintiens à Donf. Et du coup, ces infrastructures, elles répondent à ça. T'as un fan club dans le chat aujourd'hui, c'est fou. C'est ça, qui bosse à la RATP, pareil, en l'occurrence. En vrai, j'abuse, voilà. Le débat, toujours le débat. Et ces infrastructures répondent à ça. Mais ça aussi, c'est la face émergée de l'iceberg. Oui. Parce que voilà, c'est une solution temporaire qui répond aux besoins. Et on travaille en lien avec les assos qui surtout réparent aussi c'est-à-dire qu'ils sont pas en prévention, c'est-à-dire qu'ils arrivent, les gens arrivent déjà avec les problèmes. Les besoins, etc. Ce qu'il faudrait, c'est aussi des... Mais ils essayent d'avoir un rôle aussi autre. Comme Médecins du Monde, ils font un super travail sur la santé au travail, par exemple. Tu vois, on a échangé là-dessus. Et ça me permet d'embrayer sur un sujet qui est en lien, qui est aussi le positionnement aujourd'hui des collectivités, etc., sur la question de la livraison. Quand je dis les collectivités, c'est les métropoles, les mairies. En fait, il y a tout un délire aujourd'hui qui consiste à faire croire que la livraison à vélo, c'est parce que c'est vert, parce que c'est écolo, c'est la solution à tout. Et c'était même la com, le greenwashing que faisaient Uber et Deliveroo au début, tu vois. Et du coup, tu as une transformation, y compris sur la logistique. Parce que moi, aujourd'hui, je bosse dans une boîte de ce qu'on appelle de cyclo-logistique, donc de la livraison à vélo avec les vélos cargo, tout ça, qui s'appelle Urbit en l'occurrence, qui est de remplacer quelques camions, c'est-à-dire les modes dits lourds, en véhicules thermiques donc, qui polluent, par des vélos cargo ou par de l'électrique. Et en fait, on essaye de faire croire que parce que c'est du vélo, c'est bien, c'est écolo, les conditions sociales... Alors que les vélos électriques, il y a quand même des batteries, etc. C'est un peu déplacer le problème. Déjà, il y a quand même les batteries. Et ensuite, il ne faut pas mentir aux gens. Tu ne vas pas remplacer une flotte de 10 000 camions par 100 000 vélos. Tu vois. C'est plus compliqué que ça. Et puis, pas à la même vitesse, tu ne transportes pas autant. Mais tu as des possibilités qui sont importantes. Tu vois. Et du coup, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a des boîtes aujourd'hui comme ma boîte Et ce n'est pas le cas de toutes les boîtes. Tu as des coopératives ou d'autres entreprises qui ont cette vision politique, mais voilà, des boîtes qui vont faire que de la messagerie, c'est-à-dire du colis. Tu vas livrer des colis Amazon, UPS, du Zalando, tout ça. Ou pourquoi pas. Mais en fait, au lieu de transformer une offre et de répondre à des besoins sociaux qui sont importants pour les gens, on est juste dans de la consommation et ce n'est pas forcément des modèles qui sont très viables. Et on a un gros paradoxe aujourd'hui où les métropoles, y compris, tu vois, qui ont une impulsion écolo, etc., elles vont faire la promotion de la logistique urbaine sur le dernier kilomètre, et tu as un continuum avec la livraison de repas, et ça va jusqu'à la livraison, alors là c'est un peu plus, tout le monde connaît la réalité, mais ça va jusqu'à la livraison de voilà, la logistique à vélo. Et par exemple, moi sur la métropole à Lyon, on a une grosse promotion qui est faite par la collectivité, par la métropole, de ces entreprises-là, dont des boîtes qui en plus embauchent encore des auto-entrepreneurs, avec de l'argent public qui est mis dedans. Et ça, c'est pas la responsabilité de la métropole, c'est bien les boîtes qui le décident. Et en parallèle, ma boîte qui s'appelle Urbit, ils ont annoncé, ma boîte, celle où je bosse aujourd'hui, à la veille de Noël, ils ont annoncé qu'ils comptaient liquider l'entreprise, c'est-à-dire faire passer toutes les dettes sur de l'argent public et s'en laver les mains. Et ça montre bien en fait toute l'hypocrisie du sujet et que tu as un lien entre toutes les boîtes qui abusent des auto-entrepreneurs et ce qui se passe dans les boîtes qui salarient. Et voilà, nous, là, à l'heure actuelle, on est en lutte contre ça. On a fait une conférence de presse hier devant mon entrepôt qui est à Lyon. On n'est que 7 salariés, c'est un petit entrepôt à Lyon, mais on a quand même réussi à visibiliser le truc. Et là, ce soir, on fait une assemblée générale des salariés à Paris pour discuter de ça. Et en fait, on revient à ce que je disais tout à l'heure, on réunit les gens, on discute avec eux, on voit ce qu'on peut faire. On espère que voilà, c'est la base du syndicalisme. Bah, écoute, il y a des choses d'ailleurs qui vont être mises en place. Là, tu parlais justement au niveau de ta boîte, mais au niveau de la CGT, vous avez prévu des choses pour le printemps. Qu'est-ce qu'on peut attendre ce qui va, peut-être c'est pas forcément des choses dont tu peux parler, mais est-ce que vous avez déjà des choses dans l'agenda qui sont prévues, des mobilisations qui sont prévues? Bah, déjà, en fonction de ce qui se passe à Urbit, peut-être mardi prochain, on organisera quelque chose ou pas, Urbit, parce que c'est le jour de l'audience. Donc là, c'est très spécialisé à cette entreprise-là. Tout à fait, voilà. Mais après, comme dit, ça a des conséquences plus larges. Bien sûr. Après, à la fin de la semaine prochaine, on a une intersyndicale pour décider des suites de l'action des livreurs de plateforme Uber, Deliveroo et Stuart, avec tout le contexte des rémunérations dont on a parlé. Et ensuite, sur un temps plus long, on a la vie syndicale qui est propre à chaque syndicat, avec voilà, une actualité locale, comme à Grenoble, j'ai pris l'exemple des livreurs sans papier qui ont été arrêtés, qui ont été défendus par le syndicat. Nous, à Lyon, on va aussi organiser notre congrès. Congrès de syndicat, c'est un moment où on discute de l'actualité. Donc beaucoup de discussions. Bah, c'est ça, beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Et après, en fonction, on verra. Mais tu vois, des actions, je pense qu'il n'y a pas une semaine où il ne s'est rien passé dans la livraison. C'est vrai, depuis 5 ans, quand j'ai commencé à préparer le sujet, c'était, c'est pour ça d'ailleurs, on en est à presque 2 heures d'interview, parce que voilà, il se passe énormément de choses et on ne peut pas passer à côté de certains sujets. Je trouve, voilà, tout va de pair, enfin, voilà, finalement. Par contre, je m'inscris juste en faux contre Ludo 2027 parce que la dernière personne à qui on a fait ce genre de commentaire, il est aujourd'hui Premier ministre. Et honnêtement, je préfère pas finir comme ça. Donc, non, puis il y a mieux à faire. Voilà. Ouais, il y a des luttes plus intéressantes aussi à mener. Bah écoute, Ludo, c'était super intéressant. Enfin, là, j'espère que ça a plu, j'espère que ça t'a plu aussi. J'espère que t'as pas besoin d'un Doliprane. Non, mais écoute, j'ai la tête. Franchement, c'était un sujet hyper intéressant. Moi-même, je suis pas spécialiste du sujet, donc ça m'a permis aussi de mieux savoir. La prochaine fois que je ferai une commande sur Deliveroo, voilà. Bon, même si on ne fait pas tous les jours, mais ça arrive. Donc voilà, de mieux comprendre aussi tous les enjeux qu'il y a derrière et que c'est pas simplement tu fais ta commande et puis t'as un mec qui vient te livrer. Bah, il y a beaucoup d'enjeux derrière. J'espère que vous aussi, le fameux peigne. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On va se quitter là pour aujourd'hui. Ok. Et à moins que tu veuilles rajouter peut-être quelque chose. Ça me va. Non, merci en tout cas, c'était vraiment chouette quoi. Bah, de prendre le temps, voilà, je savais que c'était cool, c'est pas forcément voilà, c'est rare d'avoir autant de temps pour discuter. Est-ce que je peux rajouter un dernier truc ? Bien sûr, vas-y. C'est ce que je disais avant. Allez. Par rapport au message dans le chat et tout, vraiment, enfin je le dis encore une fois, syndiquez-vous quoi. Oui. La CGT, y compris dans la livraison, on est la seule organisation qui réunit tous les travailleurs. Avec ou sans papier, indépendant, salarié, intérimaire, sous-traitant, ce que tu veux, intelligent, bête, beau, moche, peu importe, la CGT, c'est le syndicat de tous les travailleurs. Et ça, il faut vraiment le rappeler, parce que tout le monde y a sa place, peu importe ses idées, peu importe ses convictions, son envie de s'impliquer ou non. Alors, voilà. Dans la limite des choses qui sont débattables, on est tout à fait d'accord, mais je pense que c'était d'accord pour tout le monde. Voilà. Ouais, évidemment, ça... Merci à tous. Écoutez, dans 2 semaines, ce sera peut-être pas avec moi. Peut-être avec moi, je ne sais pas, on saura. On vous annoncera ça très vite, pardon. Merci d'avoir été là avec nous pour cette rentrée, ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup Ludo, et puis on aura peut-être l'occasion de se revoir une prochaine fois. Salut à tous, passez une bonne fin d'après-midi, ciao.